Bonjour et bonne rentrée. J'imagine que comme moi, vous êtes en train de réatterrir après 2 mois passés à oublier toutes les vicissitudes de ce monde. Je vais donc vous parler ce matin d'énergie et j'aurai à peu près réussi mon coup si à la fin de cet exposé, petit A, vous avez beaucoup plus de questions que vous n'en aviez en entrant. Petit B, vous comprenez que dès qu'il y a une évolution dans le monde qui nous entoure, qu'on a du mal à comprendre, il est possible qu'il y ait de l'énergie qui se cache derrière. Et petit C, si j'ai réussi à faire dévier la carrière de l'un d'entre vous, au moins de l'un d'entre vous, de ce que vous avez initialement en tête. Alors, comme vous l'avez compris, je suis un expert mondialement connu, mais je vais quand même appeler à ma rescousse pour le début de cet exposé quelqu'un qui est beaucoup plus connu que moi. Donc je vous présente le premier professeur de France. Premier professeur de France, comme vous le savez, officie une fois par mois à 20h30, donc c'est une heure où normalement vous avez plus court. Et le premier professeur de France pose des questions qui, après la dont la réponse devient connue de quelques millions de Français. Il pose une question, puis après il y a quelques millions de Français qui connaissent la réponse. Moi, j'en suis malheureusement pas encore là. Mais on va imaginer qu'il pose la question qu'il n'a jamais posée de mémoire dans son émission et de manière ouverte, qui est, d'après vous, de quoi parle-t-on quand on parle d'énergie? Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors imaginez que le Parisien fasse un sondage et demande aux Français qu'est-ce que c'est que l'énergie. Eh bien, je vous fiche mon billet et je suis prêt à parier toutes mes économies plus les vôtres que la première réponse qui va venir à l'esprit des Français, c'est ça. L'énergie, c'est une facture. C'est un truc que je paye. Ça s'appelle l'électricité. Si le président d'EDF envisage, du reste, d'augmenter le prix de l'électricité, il saute dans la demi-heure. Ça s'appelle du pétrole, éventuellement, encore. Ça s'appelle du gaz. Donc ça s'appelle un truc que je paye. Vous avez un sous-ensemble de la population, beaucoup plus restreint, chez qui le réflexe pavlovien n'est pas facture, mais économie. Dites énergie, les gens vont répondre économie. Quoi, quand, comment, pourquoi ? Devient un débat parfois plus complexe, mais en gros, le premier truc qui leur vient à l'esprit, c'est qu'il faut l'économiser. Et puis, vous avez des poètes qui vont vous dire, voilà ce que c'est que l'énergie. Donc, si vous n'avez pas trop fait la fête hier soir, voilà la définition que vous pourriez me donner de l'énergie. Hein. Un matin où vous êtes en forme, c'est ce dont vous êtes rempli, c'est ça l'énergie. Et bien, figurez-vous que les deux premiers ont tort et que le poète a raison. Puisque si vous vous rappelez un tout petit peu de vos vieux souvenirs de physique, qui normalement vous ont servi à quelque chose pour venir jusqu'ici, eh bien, vous vous rappellerez que l'énergie, c'est par définition ce qui caractérise le changement du monde. Donc, c'est aussi par définition ce qui organise le monde. Donc, le poète a raison. Quand vous êtes plein d'énergie, vous avez une capacité à tout transformer. Les deux autres ont tort. Accessoirement, on le paye. Et accessoirement, il faut éventuellement l'économiser dans certaines circonstances. On va donc revenir à deux choses. Je ne vais pas m'éloigner beaucoup durant cet exposé, parce que j'ai oublié les maths compliquées que je faisais à votre époque. Donc je vais revenir à deux choses extrêmement simples, qui sont la première loi de la thermo et la règle de Troyes. Et vous allez voir que je vais à peu près tout faire pendant cet exposé avec la première loi de la thermo et la règle de Troyes. Donc l'énergie, même si elle n'a pas de définition formelle, ou plus exactement, même si un certain nombre de physiciens lui donnent des définitions un peu différentes, elle, en gros, ma définition à moi, c'est que l'énergie, c'est la grandeur qu'on utilise pour caractériser le changement d'état d'un système. Hein, en physique, c'est ça l'énergie, c'est la grandeur qu'on utilise pour caractériser le changement d'état d'un système. Dit autrement, dès que quelque chose change quelque part, vous avez de l'énergie, et surtout symétriquement, dès que vous avez de l'énergie, quelque chose change. Donc l'idée que vous avez de l'énergie propre, c'est-à-dire qu'il ne changerait rien, c'est-à-dire qu'il laisserait les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées en entrant, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister à cause de la définition même de l'énergie. Quelques exemples issus de la vie courante où vous voyez bien un système qui change et donc de l'énergie qui intervient. Quand vous avez une température qui change dans un système, ça peut être une pièce par exemple, eh bien vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Quand vous avez la vitesse relative d'un objet qui change, eh bien vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Quand vous avez une forme qui change, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Vous avez dans l'industrie des tétrachiers de machines dont la fonction est de changer la forme d'un objet.
Quand vous avez une composition chimique qui change, vous avez de l'énergie qui entre en jeu et les fameuses calories qui passionnent tant les magazines féminins à partir du mois de mai, peut-être encore au mois de septembre, soit dit en passant, ne sont rien d'autre que la capacité à fournir de l'énergie, des molécules qu'on ingère, et l'énergie en question va nous servir essentiellement à chauffer notre corps, un tout petit peu à réfléchir et à se déplacer. Quand vous avez un corps qui interagit avec un champ, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Donc quand je vais monter les marches de l'escalier là, pour sortir cet amphi, parce que j'espère que je serai encore vivant à la fin de cette conférence, eh bien, ma masse va interagir avec le champ gravitationnel et ça va me demander de l'énergie. Et symétriquement, si je me casse la figure, je restitue de l'énergie en arrivant en bas. Ça marche aussi évidemment avec les électrons et les champs magnétiques. Quand vous avez une composition atomique qui change, vous avez de l'énergie qui entre en jeu et incidemment, absolument toutes les énergies que nous utilisons sur Terre sont des dérivées directes ou indirectes de l'énergie nucléaire. Absolument toutes. Et enfin, quand vous avez de l'interaction matière-rayonnement, vous avez aussi de l'énergie qui entre en jeu. Donc ça, c'est la version très sympathique à laquelle vous n'avez pas manqué de sacrifier pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Vous avez une version plus quotidienne qui est l'utilisation du four à micro-ondes dans lequel il ne faut pas mettre les chats, je vous rappelle. Ou la découpe des tissus au laser, c'est également de l'interaction matière-rayonnement. Bref, vous en avez un certain nombre. Donc je le répète, compter l'énergie, c'est compter la transformation. Compter la transformation, c'est compter l'énergie. Je le répète, il n'y a pas d'énergie propre. Il n'y a pas non plus d'énergie sale. Tout est une affaire d'ordre de grandeur et de caractéristiques. Vous ne sortez jamais d'un débat sur l'énergie sans avoir manipulé des chiffres. Un débat sur l'énergie dans lequel on n'a pas manipulé de chiffres est un débat qui ne vaut rien. Est un débat qui ne vaut rien. Autre petite conclusion que je peux vous livrer tout de suite. Le premier principe de la thermo sera toujours plus fort que les promesses politiques. Toujours. Donc toute promesse politique qui présuppose de violer le premier principe de la thermo fera faillite et je suis toujours prêt à parier la totalité de ma fortune sur le fait que ça ne marchera pas. Toujours. Je vous ai dit, on ne peut pas sortir d'un débat sur l'énergie sans avoir manipulé des ordres de grandeur. Alors là, je vais en manipuler un premier, qui est tout simplement de comparer l'énergie que votre carcasse et la mienne, votre carcasse un peu plus que la mienne, vous êtes plus jeune, est capable de fournir dans une journée de dur labeur. Donc voilà un exercice auquel certains d'entre vous se sont peut-être livrés cet été, qui consiste à se lever fort tôt, sinon vous prenez des coups de soleil et vous transpirez un peu plus, à mettre un sac sur le dos et à faire en sorte que votre corps lutte contre le champ gravitationnel, ce qui s'appelle faire de la montagne. Alors on va imaginer, c'est pas du tout sexiste, c'est juste parce que ça tombe rond, que vous pesez 80 kilos, on va imaginer que votre sac en fait 10, et on va imaginer que vous faites 2000 mètres dans la journée. Qui a fait 2000 mètres dans la journée cet été? Bon, donc vous raconterez aux autres. Quand on arrive au refuge ou au sommet, on est content de soi, hein, bon, on a quand même transpiré un petit coup. Eh bien, quand vous faites cet exercice-là, qui est quand même un truc, encore une fois, qui représente pas un exploit, mais enfin quelque chose de raisonnablement sympathique sur le plan sportif, tout ce que vos jambes ont fourni, c'est un ridicule demi-kilowattheure d'énergie mécanique. D'accord ? Donc vous transpirez pendant une journée, vous faites 2000 mètres de dénivelé CE égale MGH, hein, c'est très facile à faire. Hein. Alors j'ai négligé dans cette affaire le fait que votre corps fait toujours un tout petit peu plus que l'altitude que vous gagnez parce que vous vous hissez un tout petit peu au-dessus des cailloux, sinon vous vous cassez la figure. Mais enfin, en première approximation, 2000 mètres de dénivelé pour un individu normalement constitué, c'est-à-dire qui ne pèse pas 150 kg ou qui n'en pèse pas 30, eh bien, c'est un demi-kilowattheure d'énergie mécanique fournie par vos jambes. Imaginez que vous fassiez ça un jour sur deux, tous les jours que Dieu fait, ce qui revient à dire que vous faites une grosse étape du GR20 tous les jours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, à la fin de l'année, votre carcasse aura fourni de l'ordre de 100 kWh d'énergie mécanique. D'accord ? 100 kWh d'énergie mécanique. Imaginons maintenant que vous n'allez pas faire de la montagne, vous faites plaisir à votre vieille grand-mère qui a besoin de planter des géraniums et vous faites un gros trou dans lequel vous décaissez 6 mètres cubes de terre. 6 mètres cubes de terre, ça fait à peu près 15 tonnes. Hein. Toujours pareil, E égale MGH, vous remontez 15 tonnes de terre de 1 mètre de hauteur, vous faites le calcul comme moi, ça fait 0,05 kWh d'énergie mécanique restituée, même si vous avez les bras de Schwarzenegger. Si vous faites ça un jour sur deux, 10 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Donc retenez qu'un homme au travail ou une femme au travail, utilisant ses seuls muscles, l'ordre de grandeur de l'énergie, c'est-à-dire de la transformation de l'environnement qu'il va pouvoir fournir, se balade quelque part entre quelques dizaines et une grosse centaine de kilowattheures. Maintenant, je vais prendre un litre de pétrole. Un litre de pétrole, comme vous le savez, coûte scandaleusement cher. Du reste, moins ça coûte cher, mieux on se porte.
Et dans un litre de pétrole, si vous le faites brûler en totalité, vous avez 10 kWh de chaleur. Faites passer ça dans un moteur conçu par un ingénieur à peu près normalement constitué et vous en tirerez 2 à 4 kWh. De toute façon, Carnot dit que vous n'allez pas en tirer 10 kWh de mouvement. Vous en tirez 2 à 4 kWh de mouvement, d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans un seul litre de pétrole, dont un Français consomme 1400 litres par an, en plus de toutes les autres énergies, vous avez la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Dans un litre de pétrole. Un seul. Si je traduis ça en termes économiques, vous savez que normalement, on n'est pas censé payer les gens moins que le SMIC dans notre pays. Si vous le faites, ne le dites à personne. Si je paye mon individu au SMIC et que tout ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir de la transformation de l'environnement, je ne veux pas le faire réfléchir, je veux juste le faire bosser. Eh bien, à ce moment, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Quelques centaines à quelques milliers d'euros. En face de ça, la machine me fournit le même service à 1,50 euro le litre de pétrole pour quelques dizaines de centimes en coût marginal. Je ne vais pas compter la machine dans cette histoire. Mais en coût marginal, quelques dizaines de centimes. Dit autrement, pétrole, gaz, charbon et leurs petits copains ont aujourd'hui permis de transformer l'environnement pour un coût unitaire qui est de quelques centaines à quelques milliers de fois inférieur à ce que l'homme est capable de faire. La totalité de ce qui fait votre univers aujourd'hui vient de là. Je dis bien la totalité, le fait que vous ayez du temps pour faire vos études, que vous ayez les moyens de prendre l'avion, que vous ayez 20 mètres carrés habitables par personne, que vous ayez des vêtements à profusion, que vous mangiez de la viande à tous les repas, que vous viviez 70 ans, que, etc., et loin de vos parents, tout ça vient de l'énergie. Tout, tout, tout. Toutes les revendications du MEDEF et de la CGT et les promesses électorales en viennent. Tout. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Avant, je vais faire un petit détour parfaitement immoral qui consiste à regarder ce que ça coûte avec un esclave. Alors évidemment, un esclave, vous savez, normalement, c'est interdit dans notre pays. Mais enfin, on va quand même se livrer à l'exercice. Esclave, comme vous le savez, sauf dans quelques clubs sadomaso, ce n'est pas une vocation de jeunesse. En général, les gens ne sont pas d'accord pour être esclave. Donc quand vous avez besoin d'un esclave, il faut aller le chercher contre sa volonté, ce qui va vous coûter un peu d'argent, ou il faut payer quelqu'un qui va le faire, ce qui va vous coûter éventuellement encore plus d'argent puisqu'il y a sa marge. Puis une fois qu'il est esclave, il va falloir l'empêcher de foutre le camp, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une vocation, donc il n'a pas très envie. Et puis il va quand même falloir le nourrir, etc., pour éviter qu'il meure, parce que sinon vous perdez votre actif. Eh bien, si vous faites ce calcul, parfaitement sordide, j'en conviens, mais si vous le faites quand même, vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine. Donc une des conclusions que je vous propose dès à présent, c'est que l'esclavagisme n'a pas disparu dans notre monde, parce que Rousseau avait raison. Je ne pense pas que le code génétique des hommes soit fondamentalement différent de ce qu'il était il y a 8 générations. Je pense que l'esclavagisme a disparu parce que ça n'a strictement aucun intérêt de s'emmerder à payer plus cher pour faire des choses qui ne sont pas commodes, encore une fois, les capturer des gens, les empêcher de foutre le camp, etc. Alors que la machine qui ne se met pas en grève, qui travaille toute la nuit et qui ne rouspète pas, vous fait le même job pour 10 à 100 fois moins cher. C'est le pétrole qui a supprimé l'esclavagisme. Ce n'est pas notre code génétique qui a changé. Parlons un peu puissance, donc. Voilà ce qu'était l'énergie parfaitement renouvelable avant que pétrole, gaz et charbon s'en mêlent. Et on avait des machines qui vous dégageaient 100 watts de puissance au maximum, éventuellement des animaux domestiqués qui vous déployaient 1 kilowatt au maximum. Tout ça n'était pas terrible, alors que maintenant, on sait faire beaucoup mieux. Par exemple, prenez un tracteur. Eh bien, un tracteur a une puissance de quelques dizaines de kilowatts, plus de 100 si vous êtes un gros céréalier. Donc, ça vous développe la même puissance que quelques centaines de bonshommes ou une centaine de chevaux. Pour évidemment considérablement moins cher. Pour évidemment considérablement moins cher. Donc, donnez les tracteurs aux agriculteurs et vous virez 90% ou 95% des paysans des champs. C'est l'énergie qui a fait l'exode rural, j'y reviendrai juste après. Un engin de chantier dont certains d'entre vous utiliseront peut-être de manière indirecte dans quelques années, eh bien, ça vous développe une puissance d'une centaine de kilowatts, c'est-à-dire que ça vous remplace, selon que vous utilisez des jambes ou des bras, 1000 à 10 000 personnes. Si aujourd'hui on devait construire une tour à la défense avec les techniques constructives des pyramides,
c'est-à-dire les pierres extraites à la main des carrières, transportées sur des barges, montées à la main par des poulies, assemblées à la main, etc. La tour à la Défense, elle ne prendrait pas 6 mois, elle est construite 50 ans. Elle prendrait. Et ça ne serait pas le même prix. Un camion développe quelques milliers de fois la puissance des jambes de son conducteur. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas les camionneurs qui transportent, c'est les camions qui transportent. Le camionneur, il joue à un jeu vidéo. Il a un gros joystick qui s'appelle un volant, et puis il a des petits joysticks qui s'appellent le changement de vitesse, le GPS, le machin, le truc et le bidule, et il donne des ordres à la machine. Et c'est la machine qui bosse. Un avion développe la même puissance qu'un million de fois les jambes de son pilote, et du reste, la puissance d'un jet de ligne est à peu près la même que celle d'un laminoir industriel qui, lui, martèle comme 10 millions de paires de bras. Donc, dit autrement, si les laminoirs n'existaient pas dans ce pays, eh bien, pour produire la même quantité d'acier laminé, on ne vous ferait pas faire des études, on prendrait toute l'île de France, on lui donnerait un marteau et on la ferait marteler sur des tôles, 10 millions de personnes. Et ça, ça vous laminerait la même quantité d'acier qu'un laminoir industriel piloté par une personne. Une. Dans une cabine de pilotage d'un laminoir, vous avez une personne. Donc, aujourd'hui, ceux qui bossent, c'est plus nous, c'est les machines. Nous, on est juste là pour donner des ordres aux machines. Et ça explique, soit dit en passant, quelque chose que je vous montrerai un peu plus tard, qui est pourquoi l'emploi dépend non pas de je sais pas quoi et du plan politique du moment. L'emploi ne dépend que d'une seule chose, désormais, c'est du nombre de machines qui peuvent fonctionner. Un emploi, c'est un serviteur de machines. Moins d'énergie, moins de machines, moins d'emplois. Ça marche très très bien. Et partout. Avant d'y venir, regardons un peu le passé. Vous avez ici la quantité d'énergie qui est mobilisée par terrien et par an. Alors je dis mobilisée et pas consommée, c'est à dessein. Parce que, sauf erreur de ma part, vous ne buvez pas le pétrole, vous ne mangez pas le charbon, vous ne respirez pas le gaz et vous ne mettez pas vos doigts dans la prise électrique. Je vous déconseille formellement le dernier. Donc l'énergie, vous ne la consommez pas vous. L'énergie, vous la mobilisez pour la donner à manger à des machines. D'accord ? Donc quand on dit que les hommes consomment de l'énergie, c'est un terme impropre. On devrait dire les hommes mobilisent de l'énergie. Donc cette énergie mobilisée par terrien, ou disponible par terrien, on va dire, voici comment elle a évolué sur un siècle et demi. Vous voyez, il y a un siècle et demi, on avait à peu près 1500 kWh par personne à notre disposition sur une année. Cette énergie était constituée à peu près à parité de bois et de charbon, et on la donnait essentiellement à manger à des machines qui produisaient de la chaleur, c'est-à-dire des poêles domestiques, et un peu à des machines qui produisaient du mouvement, des pompes pour assécher les mines, des paquebots, des trains, même des voitures, on a même essayé de faire voler un avion avec une machine à vapeur, etc. Et puis vous voyez que la quantité de charbon disponible par personne augmente, se stabilise pendant à peu près un siècle, puis recommence à augmenter sur les 10 dernières années. Retenez bien ceci, la quantité de charbon utilisée par personne n'a jamais décru depuis que nous utilisons du charbon. Et la quantité de charbon utilisée dans le monde n'a jamais décru depuis que nous utilisons du charbon. Quand j'étais jeune, on entendait, je ne sais pas si on l'entendait encore maintenant, que le charbon était une énergie du passé ou je ne sais pas quoi. C'est absolument pas une énergie du passé. En fait, c'est bien une énergie du présent. Et la raison à cela, c'est qu'après avoir fait fonctionner des trains, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, l'essentiel du charbon sert surtout à produire de l'électricité. J'y viendrai un peu plus tard. Mais le charbon est de très très loin la première source de production électrique dans le monde. Et non seulement c'est la première, mais c'est celle qui croît le plus vite, nonobstant tout ce que les journaux peuvent vous raconter sur les éoliennes et les panneaux solaires. Là-dessus est venu se rajouter le pétrole, qui n'alimente pas les mêmes machines. Le pétrole alimente les machines à se déplacer et non pas des machines à faire de l'électricité. Le pétrole est l'énergie reine des transports. 98% de ce qui roule, vole ou navigue utilise du pétrole dans le monde. Du pétrole, des échanges, pas de pétrole, pas d'échange. C'est très simple. Du pétrole, des échanges, pas de pétrole, pas d'échange. Vous voyez que plus généralement, toutes les énergies que nous utilisons aujourd'hui se sont empilées les unes sur les autres. Elles ne se sont pas du tout cannibalisées, sauf petite exception. Et ce que vous voyez tout en haut, là, le bleu, c'est ramener à chaque terrien l'éolien, le photovoltaïque, le marémoteur, le biogaz, la géothermie, l'énergie des vagues, l'énergie de la houle, l'hydrolien, tous les machins qui excitent les journalistes. Ramener à l'individu, c'est le truc bleu que vous avez en haut. On finira à la fin de cet exposé par une petite règle de 3 pour voir si effectivement ça va faire de la croissance verte et supprimer tout le reste dans les 25 ans qui viennent. Je vous rappelle que si ça ne passe pas la règle de 3, ça fait faillite. Un point absolument essentiel à noter sur ce graphique,
c'est que vous voyez que pendant un siècle, la quantité d'énergie disponible par personne, donc plus exactement pour le parc de machines par personne, augmente de 2,5% par an. C'est de très très loin le premier terme d'augmentation de la productivité du travail sur cette période. Plus j'ai d'énergie, plus je peux faire fonctionner de machines, plus je peux faire fonctionner de machines, plus la production est élevée. Ramenée à l'individu, la production augmente. Donc sur toute cette période, le premier terme d'augmentation de la productivité, ce n'est pas du tout le génie des ingénieurs ou des économistes, enfin ou plus exactement, c'est le génie d'une seule catégorie d'ingénieurs, c'est ceux qui arrivent à faire en sorte qu'on aille taper de plus en plus vite dans les stocks existants d'énergie. Tout le reste suit. Et vous voyez que depuis les chocs pétroliers, on a perdu un ordre de grandeur dans le rythme de croissance, et dans les pays de l'OCDE, on a perdu tous les ordres de grandeur, puisque la consommation d'énergie par personne, excusez-moi, j'ai utilisé le mot qui n'allait pas, l'énergie utilisée par personne est restée stable. De quand date l'endettement des États, de quand date la baisse de la productivité du travail, de quand date la désindustrialisation, de quand date l'arrêt de la croissance à 5% par an, etc. Des chocs pétroliers. Pas parce que le prix du pétrole est monté puis redescendu, je vous montrerai après que ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Parce que le rythme, en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique par personne, a complètement changé. Et tous les ans, on pense que l'année prochaine, ça reviendra. Et ce que je vais vous montrer un peu plus tard, c'est que ça ne reviendra plus. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, et si vous observez attentivement ce graphique, vous voyez que là, ça se tasse un peu sur les deux dernières années. Pour ceux d'entre vous qui lisent un peu la presse économique, vous entendez peut-être parler en ce moment du ralentissement de l'économie mondiale, etc. N'allez pas le chercher ailleurs, il est là. Il est là. Il n'en reste pas moins que nous avons, grâce à l'énergie, atteint ce qu'on peut appeler un niveau de vie qui est sans précédent dans l'histoire humaine et qui fait, ce que je vais dire est politiquement évidemment abominable, que le smicard français vit aujourd'hui comme un nabab. Je dis bien comme un nabab. Il ne s'en rend pas compte, il pense que c'est dégueulasse qu'il y en ait qui vivent encore mieux que lui, mais il vit comme un nabab. Si je traduis l'énergie disponible par terrien en équivalent esclave, d'accord, je prends un bonhomme, 10 à 100 kWh par an, on consomme 20 000 kWh d'énergie par an, donc ça me fait fonctionner autant de machines que si j'avais, etc. Eh bien, les êtres humains sur cette planète vivent désormais comme s'il existait une exoplanète peuplée de 1400 milliards de bons hommes, pédalant toute la journée et leur envoyant l'énergie correspondante. Je vous le redis autrement, un terrien vit en moyenne comme s'il avait 200 esclaves à disposition et un Français vit en moyenne comme s'il en avait 600 et vous, c'est plutôt 1000 puisque vous faites partie des CSP+. C'est ça la réalité que l'énergie nous offre aujourd'hui. Nous vivons tous comme si nous avons une armée, je dis bien une armée d'esclaves à disposition. Ce qui, soit dit en passant, était aussi le cas des citoyens libres athéniens et romains. Puisque, comme vous le savez, les citoyens libres étaient une petite poignée entourée d'une armée d'esclaves et de paysans qui n'étaient pas du tout libres et qui trimaient comme des bêtes. Moyennant quoi, les citoyens libres, nourris et logés et vêtus par tous ces braves gens, avaient le temps de discuter des affaires de la cité. Et on en est exactement au même point aujourd'hui. Hein, on en est exactement au même point aujourd'hui. Donc je le redis, le smicard français vit comme un nabab. Il a 40 mètres carrés d'espace habitable chauffé et refroidi. Même un noble du Moyen-Âge n'avait pas ça, c'est-à-dire qu'il avait éventuellement un bout de château qui était chauffé, mais pour le reste, il se pelait. Il a 75 ans d'espérance de vie à la naissance. L'espérance de vie à la naissance en 1800 dans les villes, c'était 25 ans. Il a accès à l'éducation, il a accès au jeu du cirque dans son salon, ça s'appelle une télévision. Il a accès à l'orchestre philharmonique dans sa cuisine, ça s'appelle une radio. Il a accès à 30 kilos de viande par personne et par an, de viande rouge, pardon, 100 kilos tout mouillé, enfin 90 maintenant. 90 s'il y a des Belges. Donc ce que n'était absolument pas le régime alimentaire des Français il y a deux siècles, etc., etc. Vous regardez absolument n'importe quoi, il a accès à tout ce qu'il veut. Et vous regardez le prix réel d'absolument n'importe quoi, une chemise, une table, une paire de lunettes, etc., qui existait déjà il y a un siècle et demi. C'est quoi le prix réel? C'est le temps qu'il faut travailler pour se le payer. Eh bien, ce prix réel a été divisé par un facteur de 30 à 100, selon les objets que vous regardez. Un paysan français, il y a deux siècles, n'avait absolument pas les moyens, en 20 ans de salaire, de rembourser un logement. No way. Tout ce qu'il arrivait à faire éventuellement,
Je vous rappelle d'abord qu'il dormait avec sa femme et ses enfants dans le même lit, donc les parents copulaient gaiement devant les enfants. C'est des choses aujourd'hui qu'on voit plus tellement. Enfin, il faut quand même vous rendre compte de ce que c'était que la vie ordinaire. La vie ordinaire, à 25 ans, il n'avait plus de dents. Enfin bon, la vie ordinaire du paysan français il y a deux siècles, hein, ça n'a strictement rien à voir avec les conditions du smicard moderne. Strictement rien à voir. Et la raison pour laquelle le smicard rouspète, il faut aller la chercher chez Tocqueville, c'est consubstantiel à la démocratie. La démocratie disant que tout le monde a les mêmes droits, bah, si à l'arrivée, il y a des gens qui ont plus que vous, c'est pas juste. Point. Point. Il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Donc voici quelques-uns de nos esclaves des temps modernes. C'est un tout petit sous-ensemble, évidemment, parce que l'armée de machines qui nous sert aujourd'hui, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de machines différentes. Et avec leur nourriture particulière, qui, soit dit en passant, nous économise du sol, puisque les esclaves anciens, humains ou animaux, ils mangeaient du sol, hein, il leur fallait une partie du sol pour se nourrir et rester en vie. Et ben, nos esclaves des temps modernes, en plus, ils ont la bonne idée de manger du sous-sol. Donc ils nous laissent la totalité du sol pour nous. Et ça, ça permet d'avoir quelques centaines d'esclaves énergétiques à notre disposition. Alors la nourriture de ces esclaves énergétiques, aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle des combustibles fossiles, et le dictionnaire est bien fait, c'est des résidus de vie ancienne. Donc le charbon, c'est des résidus de végétaux, le pétrole et le gaz, c'est des résidus de plancton. Et ces combustibles fossiles ont deux caractéristiques. Tout est en anglais, hein, parce que je suis un feignant, de temps en temps je fais des trucs en anglais, donc je ne change pas les graphiques, mais vous êtes des anglicistes distingués, donc je pense que vous comprendrez sans problème. Toutes ces combustibles fossiles ont deux caractéristiques, ce sont ce qu'on appelle des énergies de stock, c'est-à-dire que le temps caractéristique de reconstitution du stock est tellement élevé, quelques dizaines de millions à quelques centaines de millions d'années, qu'en première approximation, on peut considérer que le stock est donné une fois pour toutes. Hein, c'est ce qu'on appelle des énergies de stock. Donc c'est le cas du charbon, du pétrole et du gaz. Et par ailleurs, comme c'est des résidus de vie ancienne, ça contient du carbone, et quand vous oxydez du carbone, vous faites du CO2, il n'y a pas tellement moyen de faire autrement. Donc les énergies dites fossiles ont deux caractéristiques en commun. Leur quantité est donnée une fois pour toutes, et quand on s'en sert, ça fait du CO2. Je vous disais tout à l'heure que l'électricité était dans le monde pour une large part faite au charbon. Vous avez ici la décomposition de la production électrique dans le monde sur les dernières dizaines d'années. Ce que vous voyez, c'est que le charbon est celle qui arrive en tête aujourd'hui, et c'est une énergie fossile. Ensuite arrive le gaz, qui est une énergie fossile. Vous avez encore du pétrole, et vous voyez qu'en valeur absolue, ce n'est pas tellement différent de ce que vous aviez il y a 40 ans. Ce n'est pas très différent. Alors évidemment, le reste est venu se rajouter par-dessus, donc en part relative, ça a beaucoup baissé, mais il y en a à peu près la même quantité. Et en ce qui concerne les ENR, la première, et de très loin, c'est l'hydroélectricité. Vous voyez sur ce graphique ce qui excite le journal, et dans ce qui excite le journal, le solaire, vous ne le voyez même pas. Il existe, hein, il est là. Hein. Il est coincé entre le vert et le rose, et vous ne le voyez même pas, tellement c'est ridicule. Vous ne le voyez même pas. D'accord. Ceci allant avec cela, voilà à quoi ressemble la répartition des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors ça, c'est un graphique perso que j'ai fait, avec à la fois les consommations énergétiques et la répartition grossière au sein de certaines au sein de certaines énergies des usages. Et ce que vous voyez, c'est que les centrales électriques à charbon, à pétrole et à gaz, mais surtout à charbon, représentent plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre mondiales, toutes activités confondues. Retenez que les voitures particulières, c'est 5%, les camions, c'est 5%, les bateaux, c'est 3%, le transport aérien, c'est 2%. Les centrales électriques à charbon, c'est 20%. Il y a un truc absolument incontournable si on veut régler le problème du changement climatique, c'est tuer le charbon. C'est juste non négociable. Si on veut les 2 degrés, il faut plus de centrales à charbon. Alors, j'aurai pas le temps pendant cet exposé, mais je peux vous dire que si on essaye d'y arriver juste avec des panneaux solaires et des éoliennes, on n'est pas rendu. Alors on fait du charbon. Vous allez me dire, on fait aussi des éoliennes et on fait aussi des éoliennes, quand même. Hein. Et puis par ailleurs, Internet a dématérialisé l'économie. Alors voici un petit graphique. Vous savez, un petit conseil pour votre carrière professionnelle. Quand vous vous posez une question et que vous voulez savoir si c'est vrai, allez chercher les séries statistiques et faites les calculs. En général, ça relève de la règle de 3 et vous en aurez le cœur net. Ne croyez jamais ce qu'il y a dans le journal sans être allé vérifier par vous-même. Des fois, vous aurez des surprises.
Ici, vous avez la quantité de CO2 qui correspond à l'utilisation d'une tonne équivalent pétrole. Alors, la tonne équivalent pétrole est un truc qui, normalement, fait dresser les cheveux sur la tête de vos profs de physique, parce que c'est absolument pas dans le système international. C'est une unité que les énergéticiens aiment bien, parce que ça permet de caractériser les consommations des individus avec des petits nombres. Hein. La consommation d'énergie d'un Français en tonne équivalent pétrole, c'est 4. Vous voyez, 4, c'est simple. C'est plus simple que si j'utilise des kilowattheures où j'en ai 60 000. Une tonne équivalent pétrole, enfin c'est 50 000 en domestique plutôt. Une tonne équivalent pétrole, c'est 11 600 kWh et en fait c'est le contenu énergétique libéré par la combustion d'une tonne de pétrole de qualité moyenne. Ouf. Donc on utilise souvent ce genre d'unité et évidemment quand c'est du pétrole, une tonne équivalent pétrole, c'est une tonne de pétrole 1 égale 1, c'est quand même simple pour manipuler des équivalences. Donc ici vous avez la quantité de CO2 émise par tonne équivalent pétrole d'énergie utilisée dans le monde, toutes énergies confondues. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que sur un siècle et demi, cette quantité varie assez peu. L'ordre de grandeur reste toujours le même. On était à 2, on est monté à 3, on est redescendu à 2,5. Et ce que vous voyez surtout, c'est que depuis 2000, c'est-à-dire depuis le début de toutes les révolutions qui enchantent les journalistes et certains ingénieurs, eh bien, cette grandeur ne varie pas. Donc, est-ce que Internet a dématérialisé l'économie? So far, absolument pas. Vous voyez qu'on était à 2,5 tonnes de CO2 par tonne équivalent pétrole en 2000, c'est pas parce que Internet est apparu que tout d'un coup cette grandeur a varié. C'est toujours la même. Et depuis la révolution des énergies renouvelables, eh bien cette grandeur n'a pas varié non plus. Donc les deux grandes révolutions, le numérique et les énergies renouvelables, qui ont commencé à se déployer depuis le début des années 2000, pour le moment n'ont pas eu le moindre effet sur la quantité de CO2 par tonne équivalent pétrole. Elles n'ont pas plus eu d'effet. Je ne vous montre pas aujourd'hui, sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique de l'économie. C'est-à-dire que la quantité d'énergie qu'il faut utiliser pour faire 1 euro de PIB est strictement la même aujourd'hui qu'en 2000. Hein, strictement la même. Toujours dans les idées reçues, vous avez ici l'augmentation de chacune des énergies qu'on utilise dans le monde entre 2000 et 2014. Donc je fais la différence entre la quantité qu'on utilise en 2014 et la quantité qu'on utilise en 2000, puis je regarde ce que ça vaut. 2014, on utilise 1500 millions, donc 1,5 milliard tonnes équivalent pétrole de charbon en plus dans le monde qu'en 2000. Puis toutes les autres barres se lisent de la même manière. Et bien, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que sur la période 2000-2014, le charbon a augmenté 35 fois plus que le solaire et 10 fois plus que l'éolien. Donc ce qui s'est vraiment passé dans le monde sur cette période, ce n'est pas la révolution UNR, c'est le boom du charbon. C'est ça qui s'est vraiment passé dans le monde. À ce stade, retenez un certain nombre. À ce stade, je vais continuer sur la distinction entre deux termes qu'on trouve parfois dans le monde énergétique, qui sont primaire et final. Je vous avais dit que je vous parlerais de la loi de conservation. La voici. Vous connaissez la loi de conservation, évidemment. Normalement, vous la connaissez mieux que moi. J'applique la loi de conservation à l'humanité. L'application de la loi de conservation de l'énergie à l'humanité vous dit ceci: l'homme ne peut rien faire d'autre que d'exploiter à son profit une source d'énergie qui existe déjà dans l'environnement. L'homme ne peut rien faire d'autre que d'exploiter à son profit une source d'énergie qui existe déjà dans l'environnement. La production d'énergie, terme que vous trouvez parfois dans les journaux, est un terme impropre. Vous ne savez pas produire de l'énergie, vous savez l'extraire et la transformer. Mais produire de l'énergie, ça n'existe pas. Nos conventions économiques font que toutes les énergies primaires sont gratuites. Le pétrole est gratuit, le charbon est gratuit, le vent est gratuit, le soleil est gratuit, le gaz est gratuit, l'uranium est gratuit. Toutes ces énergies existent dans l'environnement, je dis bien existent, sans que vous ayez à payer le moins de centimes. Vous et moi n'avons jamais payé le moins de centimes pour que le pétrole existe. Ce qu'il faut payer, c'est les gens qui vont le chercher et les gens qui sont assis dessus. Mais ça, ce n'est pas la formation du pétrole. Ça, c'est un problème de bons hommes. On aurait pu décider que le pétrole appartenait à tout le monde. Donc les énergies primaires sont toutes gratuites par convention. Du coup, ce qu'on paye quand on paye de l'énergie, c'est uniquement des revenus humains qui correspondent soit à du travail, soit à des rentes pour extraire et transformer cette énergie. Dit autrement, le coût de l'énergie ne représente n'est que la contrepartie de la facilité à accéder et à transformer l'énergie. C'est ça, le coût de l'énergie. C'est la contrepartie de la facilité qu'on a à y accéder et à la transformer. De ce fait,
plus une énergie est présente sous forme diffuse et non pilotable, plus il faut de travail pour la concentrer et la mettre à disposition, et plus ça vaudra cher. La quantité qu'il y en a dans l'environnement n'est pas le sujet. On s'en fout. Ce qui compte, c'est sa concentration. Le rayonnement à 3 Kelvin de l'univers représente une quantité considérable d'énergie, bien plus considérable que le rayonnement solaire qui arrive sur Terre et bien plus considérable que les stocks de pétrole que nous avons sur Terre. Vous et moi n'en ferons jamais rien de toute notre vie. Donc ce qui va compter, c'est la nature de l'énergie et en particulier son degré de concentration. Et de ce point de vue, le pétrole représente l'optimum de ce que l'humanité utilisera pendant sa vie. Quand vous êtes passé des ENR, parce que je vous rappelle que c'est ça l'historique des hommes, c'est d'abord les ENR, c'est d'abord le bois, d'abord le soleil, d'abord le vent qui a fait avancer les premiers bateaux, et d'abord la traction animale, tout ça est parfait, d'abord les esclaves, tout ça est parfaitement renouvelable. Donc quand on est passé des ENR au charbon, on a gagné un cran en termes de facilité d'accès à des stocks. Quand on est passé du charbon au pétrole, on a encore gagné un cran. Et depuis le pétrole, on descend. Le gaz, c'est moins pratique que le pétrole. Le nucléaire, c'est moins pratique que le gaz. Et les ENR modernes, c'est encore moins pratique que le nucléaire. À chaque fois, vous perdez un cran. Et la traduction économique, c'est qu'à chaque fois, vous devez engager beaucoup plus de capitaux pour arriver au même résultat. C'est ça la traduction économique. Alors, la traduction un peu plus détaillée de ce que je viens de vous dire, elle est là. Donc, vous avez donc des sources d'énergie primaires dans l'environnement. C'est de l'énergie qui existe déjà, donc des trucs qui brûlent, des trucs qui tombent, etc., des champs. Les machines ne mangent pas d'énergie primaire, elles ne savent pas faire ça. Donc, ce qu'elles vont manger, c'est de l'énergie finale, des carburants raffinés, du gaz raffiné, du gaz purifié, pardon, de l'électricité, etc. Passer de l'énergie primaire à l'énergie finale, c'est l'objet du système énergétique. Donc, ce qu'on va trouver dans le système énergétique, c'est tout ce qui permet de passer du primaire au final. À nouveau, la loi de conservation intervient. Vous avez toujours autant ou moins d'énergie finale que vous aviez d'énergie primaire. Et entre les deux, vous avez éventuellement ce qu'on appelle des pertes. Par exemple, quand vous transformez de la chaleur en électricité, vous avez des pertes. M. Carnot vous dit que le rendement est plafonné. Les pertes standards des centrales thermiques dans le monde, c'est 2/3. Que ce soit du charbon ou du nucléaire, ne change strictement rien à l'affaire, c'est pareil. Et enfin, l'énergie, vous n'allez pas en disposer, ou plus exactement la machine, vous n'allez pas lui donner du pétrole juste pour le plaisir de lui donner du pétrole. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un service derrière. On utilise parfois le terme d'énergie utile pour qualifier l'énergie contenue dans le service lui-même. Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est de l'énergie finale. Quand vous avez du mouvement avec votre voiture, c'est de l'énergie utile. Entre les deux, avec un moteur à essence, vous perdez encore 80%, 70%. Le système énergétique, son amélioration est une affaire d'ingénieurs. C'est pour ça que tous les politiques adorent parler du système énergétique. Ça permet d'emmerder une sous-fraction de la population tout à fait minime en faisant croire à tout le reste de la population que ça va changer sa vie tout en la laissant assise dans son canapé. Donc, les politiques adorent s'occuper du système énergétique. Ils adorent aussi s'occuper de la partie ingénieure de l'efficacité énergétique. Donc dit autrement, s'il s'agit de faire des voitures qui consomment 2 fois moins tout en étant disponibles au même prix pour les consommateurs finaux, ils adorent ça, mais c'est encore un problème d'ingénieur. Ce que les politiques détestent, c'est dire à la population qu'elle va faire des économies d'énergie en divisant sa surface habitable par 2. Ça, ils n'aiment pas du tout. Or, dans les économies d'énergie, vous en avez qui ne relèvent que d'une efficacité accrue des processus et vous en avez qui relèvent de ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire que délibérément, les gens acceptent de consommer moins. Dans les deux cas de figure, vous avez besoin de moins d'énergie. Dans le premier, vous emmerdez juste les ingénieurs. Dans le deuxième, vous emmerdez tout le monde. Donc en démocratie, on privilégiera toujours la première catégorie, jamais la seconde. Et tous les dispositifs économiques qui visent à favoriser la sobriété, la fiscalité, la réglementation, etc., sont toujours des trucs que les politiques sont les premiers à ne pas aimer. Sauf si ça emmerde une sous-catégorie très précise de la population. Si je parle d'énergie finale, voilà à quoi ça ressemble dans le monde. Donc voilà l'énergie finale par vecteur primaire, par énergie primaire dont elle est issue. Et ce que vous voyez, c'est que les hydrocarbures font 80% du total. Donc on est massivement dépendant des hydrocarbures et le pétrole est dominant dans cet ensemble. Vous avez sûrement entendu que la France est un pays tout nucléaire. Qui n'a jamais entendu que la France était un pays tout nucléaire ? Donc vous lisez le journal de temps en temps, c'est bien. Bon, donc la France est un pays tout nucléaire.
Vous avez ici la consommation d'énergie finale en France par catégorie de secteur de consommation. Donc selon là où est la machine qui mange l'énergie, eh bien ça s'appelle résidentiel, la machine est chez vous. Tertiaire, la machine est sur vos lieux de travail, sauf les processus industriels. Industrie, c'est la machine relève d'un processus industriel. Agriculture, la machine est dans un champ, etc. C'est gradué en milliards de kilowattheures par an sur l'échelle verticale. Et maintenant, tout ce que je cercle vient des hydrocarbures, enfin des combustibles fossiles. Et je vous repose la question, est-ce que la France est un pays tout nucléaire? Ça doit pouvoir se discuter. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Et sur le plan économique, ça se discute encore plus. Alors ce graphique a été fait à l'époque où le baril valait 100 dollars, mais enfin mon pronostic c'est qu'il va finir par y revenir. Donc vous avez le pétrole qui représente les deux tiers du CO2 français et quelques dizaines de milliards de dollars d'importation par an. Vous avez le gaz qui représente plus de 10 milliards d'euros d'importation par an et un quart de notre CO2. Vous avez encore du charbon. Et vous avez effectivement du nucléaire qui, selon les années, représente 0,5 à 1 milliard d'uranium apporté et qui ne fait pas de CO2. Donc on peut discuter du fait que ce soit notre premier problème. En fait, on peut discuter pour d'autres raisons aussi. Je vous disais tout à l'heure, l'énergie a transformé votre vie. Alors là, je vais y revenir avec quelque chose d'assez fondamental, qui est que si aujourd'hui vous vivez dans un monde d'employés de bureau habitant en ville, c'est à cause de l'énergie. Vous avez ici la structure de l'emploi en France sur les deux derniers siècles. Il y a deux siècles, comme vous pouvez le voir, l'essentiel de la population active est au champ, en deux mots, c'est-à-dire qu'elle est occupée à faire pousser des patates. Et comme c'est les deux tiers de la population active, la règle de trois vous dit que la productivité d'un agriculteur à cette époque-là est suffisante pour qu'il arrive à se nourrir lui, plus 0,5 personnes qui fait autre chose. On est d'accord? Les deux tiers des actifs sont dans les champs. Aujourd'hui, pour info, l'agriculteur arrive à se nourrir, lui, plus 50 personnes qui font autre chose. Évidemment, ce n'est pas l'agriculteur tout court. C'est l'agriculteur plus son tracteur, sa moissonneuse-batteuse, ses silos, les trains de céréales, etc. Vous avez donc une population agricole qui est l'essentiel de la population active. Alors, vous voyez que cette population agricole, elle augmente pendant quelques dizaines d'années à partir du début de cette série. Et ceci correspond à cela, c'est-à-dire que la productivité d'un agriculteur à cette époque-là ne bouge pas beaucoup d'une année sur l'autre. Par contre, les surfaces agricoles augmentent en France, puisque le minimum forestier, c'est-à-dire le maximum de déforestation en France, a été atteint en 1850. À l'époque, 15% du territoire seulement était couvert de forêts. L'Europe a entamé son processus de déforestation dans les années 1000 et l'a terminé en 1850. Et puis, vous voyez qu'après, la population se met à diminuer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de surface? Non. Ça veut juste dire qu'il y a moins d'agriculteurs parce que leur productivité augmente. Et leur productivité augmente parce que, grâce à l'énergie, on commence à leur fournir en quantité croissante des outils de plus en plus efficaces pour cultiver. Des socs de charrues qui sont mieux, des colliers de trait, des endroits pour entreposer qui sont mieux, etc. Tout ça est fabriqué par l'industrie naissante. Et puis après la guerre, l'industrie va exploser en fournissant aux agriculteurs engrais de synthèse, phytosanitaires et tracteurs. Tout ça, par exemple, a multiplié par 8 la productivité à l'hectare du blé en France, en 40 ans. Donc je mets des machines dans les champs et partout ailleurs, et à ce moment, à surface identique et à production croissante, je diminue très fortement la quantité d'agriculteurs nécessaires. Mais vous voyez que dans le même temps, la population active dans les autres secteurs augmente. Pourquoi? Parce qu'avec l'énergie croissante, j'ai les moyens d'extraire en quantité croissante de la terre des minerais de toute nature, et d'en faire des objets de toute nature qu'il faut fabriquer et vendre, et accessoirement financer. C'est le début de l'industrie, c'est-à-dire c'est le début des machines, et comme je le disais tout à l'heure, une machine égale un emploi, puisqu'il faut piloter la machine, et donc j'ai de plus en plus de machines, et donc besoin de plus en plus de gens dans l'industrie. Mais une fois que les produits sortent de la porte de l'usine, il faut les distribuer, il faut les vendre, il faut les financer, il faut compter, il faut les transporter, tout ça va s'appeler des services. Et puis il faut apprendre aux gens à se servir des machines, etc. Tout ça va s'appeler des services. Les services n'ont jamais été autre chose que quelque chose d'assis sur la couche physique sous-jacente qui s'appelle l'industrie. Virez l'industrie, il n'y a plus de services. Virez l'industrie et la construction, vous n'avez plus d'amphi, vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus les bancs, vous n'avez plus les chaises, vous n'avez plus les moyens de transport qui vous permettent de venir ici, il n'y a plus l'école des ponts. D'accord? Donc les services ne sont pas détachés de l'industrie, et ils peuvent vivre leur vie de manière autonome. Ça n'existe pas. Les services, c'est une exploitation de la couche physique sous-jacente qui est dans l'industrie.
Et puis arrivent les chocs pétroliers. Alors qu'est-ce qui se passe au moment des chocs pétroliers? La quantité d'énergie disponible par personne s'arrête de croître en Occident. Mais la taille unitaire des machines, elle, elle continue d'augmenter. J'ai pas plus d'énergie par personne, mais une taille unitaire de machine qui augmente. Traduction logique, j'ai besoin de moins en moins de gens pour piloter ces machines. Donc la quantité, la production industrielle après 1974 continue d'augmenter, mais elle est faite par des machines dont la taille va se mettre à augmenter plus vite que la production globale. Et donc l'emploi dans l'industrie va se mettre à baisser. Et ce phénomène s'observe partout dans les pays industrialisés, absolument partout. Il n'empêche que la production industrielle continue d'augmenter et donc les services que j'ai à la suite continuent d'augmenter aussi. Mais tout ça n'est plus suffisant à partir des chocs pétroliers. Et je vois aussi apparaître une catégorie qui n'existait pas avant, c'est-à-dire les gens à qui je n'ai rien. Je n'ai pas de machine à donner, à piloter. Dit autrement, je suis désormais tellement productif par actif à cause de toutes ces machines après les chocs pétroliers, et le monde commence déjà à me mettre un peu à l'étroit, et je n'ai plus les moyens de donner un emploi, c'est-à-dire un pilotage de machine, à chaque personne qui a envie de bosser. Le chômage était de 3%, 2 à 3% de la population active avant les chocs pétroliers. Il n'y est évidemment jamais revenu. Alors ça, c'est la version dynamique. Je vais vous en donner une version statique tout de suite. Vous avez ici un nuage de points qui est fait avec, pour chaque pays qui est représenté sur ce nuage, donc il doit y avoir, je ne sais pas quoi, 150 pays là-dedans, en abscisse, la quantité d'énergie consommée par personne et en ordonnée, la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Et tout ça concerne l'année 2011. Et vous voyez que, en gros, vous avez une relation en 1 sur X. Dis-moi combien il y a d'énergie par personne dans ton pays, je te dirai quelle est la fraction d'agriculteurs. Ça marche extrêmement bien. J'ai donc mis des machines à la place des agriculteurs, donc j'ai vidé les campagnes. J'ai créé des industries et des services, tout ça se passe dans les villes, les services en particulier, parce que les services incluent énormément d'échanges, et les échanges sont plus efficaces quand les gens sont tassés par mètre carré. Plus vous avez de gens par mètre carré, plus la densité d'échange est importante et donc plus les services sont efficaces. Vous avez un peu distendu les villes parce qu'en mettant une voiture par personne, encore de l'énergie, vous avez les moyens en une heure de temps de parcourir une distance plus grande que si vous êtes à pied. Donc vous pouvez conserver le tissu d'échange qui est le fait de la ville, tout en l'étalant. Et nous avons donc créé dans tous les pays occidentaux, je dis bien tous les pays occidentaux, le même paysage, le même aménagement du territoire, des campagnes vidées au profit des tracteurs et des gens qui se mettent à bosser dans l'industrie et les services concentrés dans les villes. L'aménagement du territoire, c'est de l'industrie, la structure sociale, c'est de l'industrie. C'est de l'énergie, pardon. L'aménagement, c'est de l'énergie et la structure sociale, c'est de l'énergie. Et la macroéconomie, c'est de l'énergie aussi. Donc je vais vous dire tout de suite que ce que va vous raconter votre prof d'économie, si vous en avez un, je suis désolé, je vais oser, c'est bullshit. Je vous le dis tout de suite. Vous avez ici la représentation conventionnelle dans l'économie que j'ai apprise à l'école la manière dont le système se présente. Donc vous avez du capital et du travail comme facteur de production, et puis à la sortie, vous avez une production. Et si la production flagadouille et qu'on n'arrive pas à payer les retraites, eh bien, on botte le cul des gens qui ne travaillent pas, donc on augmente l'offre de travail, on baisse le SMIC, etc. Et on dit aux banquiers d'arrêter de jouer au casino avec leur pognon et de financer l'économie réelle. Et donc, le PIB repart. Vous êtes d'accord? Ben, manque de peau, ça ne marche pas. C'est ce qu'on essaye de faire partout dans les pays occidentaux depuis 2007, c'est-à-dire depuis le moment où l'approvisionnement énergétique de l'OCDE est passé par un maximum. Ça ne marche nulle part. Le PIB ne repart pas. Et quand il repart, c'est que des bulles spéculatives. Ce qui est en train de se passer en ce moment avec une inflation de dette absolument colossale. Et la seule question, c'est de savoir à quand sera le prochain crack. Et tout ça ne marche pas tout simplement parce que ce n'est pas la bonne représentation du système. La bonne représentation du système, elle est très simple. La voici. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est une machine à transformer des ressources. Mettez une usine à faire des bouteilles en verre au milieu du vide intersidéral, sans approvisionnement en gaz et sans approvisionnement en sable, elle ne fait pas de bouteilles en verre. Mettez un bateau de pêche sur la mer, sans poisson à pêcher et sans gasoil dans la cuve du bateau, vous ne pêchez rien du tout. Donc ce qu'il faut pour que l'économie fonctionne, c'est que vous ayez des ressources à transformer, et notre système productif n'est qu'une immense machine à transformer des ressources. Tout ce que vous avez dans cette salle, tout ce que vous verrez du début de la journée à la fin, tout ce que vous verrez de votre naissance à votre mort, ça n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées ou non par notre activité. C'est rien d'autre que ça. Sauf que, il y a deux siècles, il y a des petits malins, à juste titre à l'époque,
qui ont dit les ressources, s'en occupent pas, c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce qu'il y a deux siècles, il y a moins d'un milliard de bons hommes, la productivité par personne est 50 à 100 fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, donc le stock est immense au regard de nos possibilités de transformation d'une petite partie du stock, et vous savez que si le stock est infini, en première approximation, delta stock est nul, et on va quand même pas s'emmerder à trimballer partout comme le savant cosinus des égale zéro dans nos équations, donc on oublie le stock. Deux siècles après, les ordres de grandeur ont changé d'un facteur 10, 100, 1000, 1 million parfois. On oublie toujours le stock. Et c'est emmerdant parce que là, delta stock n'est plus du tout nul, du tout, du tout, du tout, du tout. Et dans la transformation des ressources, notre pauvre carcasse compte pour 1, pendant que les machines qui mangent de l'énergie comptent pour 200. C'est le rapport de 1 à 200 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors une fois que vous avez cette représentation avec les mains, tout devient très clair. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'aurez pas assez de production, même si les banquiers sont sympas, même si les gens se lèvent le matin, et même si vous avez plein de ressources. C'est aussi con que ça. Très accessoirement, si vous manquez de ressources, vous aurez aussi un problème sur la production. Donc ça, c'est une théorie très très simple, et vous allez voir qu'elle colle très très bien avec les données qui s'observent. Vous avez ici le PIB mondial, reconstitué depuis l'an zéro. Alors pendant 1000 ans, pas de promesse électorale sur la croissance à faire, il n'y a pas de croissance. Ça simplifie quand même assez le problème. Pas besoin de promettre la Lune puisque personne ne s'attend à avoir la Lune. Jusqu'au début de la révolution industrielle, il y en a, mais enfin, il faut un microscope avec l'échelle de cette courbe pour la voir. 0, vraiment pas grand-chose. Donc en première approximation, il n'y a toujours pas de croissance. Et puis arrivent les combustibles fossiles et crac, 3% par an. C'est merveilleux. C'est merveilleux. À Disneyland, juste à côté d'ici, ils font même pas pareil. Malgré tous les magiciens issus des dessins animés de Disney. 3% par an. Merveilleux. Bon, question. Qui d'entre vous est prêt à parier la totalité de ses économies sur le fait que ça va durer encore quelques dizaines d'années? Je suis étonné que les journalistes posent jamais cette question aux politiques quand ils les interviewent. Quand ils leur disent, vous savez, voilà ce que je vais obtenir. Le premier truc que je lui dirais, c'est est-ce que vous êtes prêt à parier votre pognon là-dessus? Bon. Il manque de malice. Vous voyez, donc début des combustibles fossiles, plus 3% par an. Alors ça marche de cette manière, mais ça marche d'une autre manière. Vous avez ici, depuis 1965, en vert, la variation de la quantité annuelle d'énergie consommée dans le monde, en bleu, la variation du PIB mondial. Donne-moi l'un, je te donne l'autre, et réciproquement. Alors vous voyez que de temps en temps, les deux s'écartent un tout petit peu, et c'est notamment le cas là. Eh bien, si vous regardez attentivement cette courbe, les autres fois où ça s'est produit, en général, ça a précédé de pas beaucoup une plongée vers le bas. Parce qu'une des manières de faire du PIB dématérialisé, c'est-à-dire sans énergie, c'est de faire des bulles spéculatives. Quand le prix de l'immobilier double, ça vous augmente mécaniquement le PIB, parce que ça vous augmente la production de crédit, ça vous augmente les commissions d'agence, ça vous augmente les impôts locaux au moment des transactions, ça vous augmente tout un tas de trucs comme ça. Vous n'avez pas un kilowattheure d'énergie en plus qui soit mobilisé. Par contre, ça vous crée des bulles spéculatives et ça vous crée de la dette. Et ça, c'est des équilibres instables et à un moment, ça finit par dégonfler rapidement. C'est très exactement ce qui se constate depuis 2007. Depuis 2007, la dette fédérale des États-Unis a doublé quasiment. La dette publique anglaise a doublé. Tous les pays très fortement financiarisés ont vu leur dette exploser. Et sauf à inventer la dette perpétuelle, à un moment, il faudra bien dire qu'on ne la rembourse pas. Alors les Grecs, ils ont commencé à s'y coller. C'est 1% du PIB européen. Quand ça sera les suivants, ça fera un peu plus mal. Donc c'est des processus qui sont instables. Donc il y aura une correction vers le bas à un moment. C'est absolument évident pour moi. Et voilà le meilleur modèle macroéconomique du monde, qui s'appelle une droite. Vous voyez, j'ai mis en abscisse. Je l'ai fait candidement. Ça, c'est un graphique que j'ai fait pour la première fois il y a 5 ans. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment candidement pris la quantité d'énergie consommée dans le monde depuis 65. En ordonnée, j'ai mis le PIB déflaté dans le monde depuis 2065 et je suis tombé là-dessus. Voilà. Donc le meilleur modèle macroéconomique dans le monde, ça s'appelle une droite. D'accord ? Donne-moi l'énergie, je te donnerai le PIB. Voilà donc ce que je vous raconte depuis 50 minutes. Je vais un peu accélérer maintenant, je suis désolé. On a des stocks de ressources naturelles de toute nature, dont des stocks de combustibles fossiles. Tout ça est gratuit. La totalité est gratuite. Je vous rappelle que par convention, toutes les ressources naturelles sont gratuites. Tout. Hein ? Ça brûle et ça nous permet d'avoir les moteurs et la chimie, c'est-à-dire que ça accélère par transformation des autres ressources la totalité des biens transformés qu'on peut avoir à notre disposition.
Là-dessus, on a bâti une structure sociale que chacun, quand il descend dans la rue, considère acquise pour l'éternité, qui est la structure actuelle des métiers, la croissance à gogo, les loisirs, les machins, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Et la contrepartie économique de ce truc-là s'appelle le PIB. Je vous rappelle que le PIB, c'est la transformation, hein. Le PIB, c'est un empilement de ce qu'on appelle des valeurs ajoutées. Et une valeur ajoutée, vous avez ça chez un agent économique quand vous avez de la transformation entre ce qui rentre et ce qui sort. Hein ? Ce qui sort, normalement, si vous ne faites pas faillite, vaut plus cher que ce qui rentre. Et la différence entre les deux s'appelle la valeur ajoutée. Deux questions. La première dont vous a parlé Valérie Masson-Delmotte. Combien de temps est-ce qu'on peut jouer à ce petit jeu-là sans que le système climatique n'engendre une déstabilisation telle que ça perturbera le processus qui en est à l'origine ? Dit autrement, nous. Donc ça contractera la taille de l'humanité, l'espérance de vie, etc. Question A. Question B, que je rajoute. Combien de temps est-ce qu'on peut jouer à ce petit jeu-là avec les stocks donnés une fois pour toutes qui sont à notre disposition ? Pour des raisons qui tiennent à la manière dont fonctionnent les médias, j'y reviendrai au moment des questions parce que je ne vais pas me lancer là-dedans tout de suite, il se trouve que le premier sujet, celui du bas, est déjà en train d'appliquer ses effets depuis les chocs pétroliers sans qu'on s'en rende compte, alors que le sujet du haut commence seulement à appliquer ses effets maintenant, sans qu'on s'en rende compte aussi du reste, parce que pour moi, le printemps arabe et Daesh trouvent ses racines pour partie dans un problème de changement climatique. Là aussi, j'y reviendrai s'il y a des questions. On ne comprend pas. Mais c'est ça les deux questions. Alors je vais commencer par celle du bas. Je vous rappelle que quand on tape dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, les maths interdisent que l'extraction annuelle en provenance de ce stock soit indéfiniment croissante. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Les maths interdisent même que l'extraction annuelle en provenance de ce stock soit indéfiniment constante. Et en fait, il y a un théorème, je crois que c'est une variante du théorème de Rolle, enfin, je sais le démontrer, mais je ne me rappelle plus de son nom, qui vous dit que si vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, eh bien, l'extraction annuelle de ce stock est nécessairement nulle à moins l'infini, nulle à plus l'infini, et passe par un maximum entre les deux. L'extraction cumulée, c'est-à-dire l'intégrale de la courbe, est au plus la valeur du stock de départ. Donc, quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, vous aurez un pic à l'extraction annuelle. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est des maths. Et là aussi, toute théorie politique ou sociale qui viole un théorème de maths fera faillite, exactement de la même manière que ce que j'ai dit tout à l'heure pour la loi de conservation et la règle de 3. Donc vous aurez, où il est déjà passé, un pic à l'extraction annuelle du minerai de cuivre, de la bauxite, des diamants, du platine, de l'or, du ruthénium, de tout ce que vous voulez, des oxydes de bidouillium divers et variés, et évidemment du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, just name it. Vous aurez un pic. Tout passera par un pic. En ce qui concerne le pétrole, la seule question, c'est est-ce qu'il est déjà passé ou est-ce qu'il est devant nous ? Et la réponse courte, c'est on est dessus. On y est là. Alors en fait, ce n'est pas un pic exact, c'est plutôt le mont Aiguille, c'est un plateau zigzagant, je vais vous montrer. Alors vous savez, quand on est au pic, la dérivée s'annule. Avant le pic, la dérivée est positive, au pic, la dérivée s'annule. Alors, regardons la dérivée. Vous avez ici la dérivée en ce qui concerne l'extraction mondiale de pétrole, ou plus exactement, la variation lissée sur 10 ans de l'extraction de pétrole dans le monde. À l'époque où nous disposions d'une technologie qui ferait honte aux gens qui sortent de cette école, eh bien, la croissance de la production mondiale de pétrole était de 15% par an. Puis sont venus des ingénieurs des ponts un peu plus qualifiés, et la croissance est descendue à 10% par an. Puis sont venus des ingénieurs des ponts et du reste, allez, je vais être sympa, encore plus qualifiés et c'est descendu à 5. Puis sont venus des ingénieurs extrêmement qualifiés et l'aide de la réserve fédérale américaine et on n'est pas loin de zéro. À chaque fois, la nouvelle technologie n'a pas été un moyen de faire mieux, ça a été une réponse à la baisse. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les pétroliers ont augmenté par un facteur 6 ou 5 leurs investissements sur les 8 dernières années dans l'amont pétrolier. C'est juste parce que c'est devenu nécessaire pour aller chercher du pétrole. S'ils pouvaient dépenser beaucoup moins, ils seraient très contents. Hein ? Et dépenser beaucoup moins, ça veut dire en particulier qu'ils ne construiraient pas, c'est très compliqué. Il faut savoir que gaz et pétrole de Rochemer, ce qu'on appelle dans la presse gaz et pétrole de schiste, sont connus depuis 2 siècles. La première exploitation commerciale de gaz aux États-Unis, c'était du gaz de schiste. À Fredonia,
sur la côte Est en 1826, si ma mémoire est bonne, ou 1824, je confonds toujours avec la découverte de l'effet de serre. Mais en gros, c'est dans ces années-là. Donc c'est quelque chose qui est très ancien. Et le gaz de schiste, c'est back to the future. C'est-à-dire que j'ai exploité un truc qui était beaucoup plus commode que les gaz et pétrole de Rochemer, qui s'appellent les gisements conventionnels. Puis il y en a de moins en moins, donc je me mets à retaper dans des trucs que je connaissais, mais qui sont de moins bonne qualité. Hein, c'est ça, le processus des gaz et pétrole de schiste. Voilà à quoi ressemble la production mondiale de ce qu'on appelle les liquides. Je ne vais pas m'éterniser sur la définition, ce n'est pas juste du pétrole. Voilà où nous sommes. Donc, bon, on y est quoi. La question que tout le monde se pose, c'est combien ça va coûter ? Ma réponse, c'est on s'en fout, ce n'est pas la question. D'abord, ce n'est pas la question parce que personne n'est capable de faire un pronostic. Vous avez ici, alors là aussi, un truc auquel je vous conseille de vous livrer toute votre carrière durant, c'est quand des gens font des pronostics depuis 20 ans, regardez sur les 20 dernières années comment est-ce que leur pronostic des années successives se compare à ce qui s'est vraiment passé. Et quand vous avez ce genre de truc, arrêtez de les écouter. Donc en rouge, ce que vous avez, c'est ce qu'a vraiment donné le prix du baril de pétrole sur les, ce qu'on appelle les marchés, donc le prix du baril de pétrole, depuis 1985. Et tous les traits de couleur, c'est les pronostics qui ont été faits par l'Agence internationale de l'énergie sur la manière dont devait évoluer le prix du pétrole. Bon, ben moi, si j'ai un responsable marketing dans ma boîte qui me fait ce genre de prévision sur mes ventes ou sur les prix, je peux vous dire que je le fous à la porte tout de suite. Hein ? Deuxième raison pour laquelle le prix, on s'en fout, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le prix et les quantités. Ah ! Mais mon prof d'économie, non, il n'y a pas de lien entre les prix et les quantités. Il n'y a pas de lien entre le prix et la quantité. Vous avez toujours entendu, en économie, s'il y en a plus, c'est moins cher. Ça marche. Des fois, et des fois, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une loi. Vous savez qu'une loi n'est plus une loi si elle a au moins une exception. Eh bien, le rapport entre les prix et les volumes souffre énormément d'exceptions dans le monde et le pétrole en est une remarquable. Entre 1920 et 1973, le volume de pétrole consommé dans le monde a été multiplié par plus de 20, le prix est resté constant. Il n'y a pas vraiment d'élasticité prix-volume. Après les chocs pétroliers, pendant une grosse dizaine d'années, le prix a fait n'importe quoi avec un volume qui est resté quasi constant. Puis, de nouveau, le prix s'est mis à osciller autour de $30 constant le baril, alors que la quantité consommée augmentait de 25%. Puis, depuis le début des années 2000, la quantité consommée varie très peu, avec un prix qui fait absolument n'importe quoi. En fait, la seule chose, là aussi j'y reviendrai s'il y a des questions, qu'on est capable de théoriser, à mon avis, en ce qui concerne le pétrole, c'est que quand la quantité disponible devient contrainte, le prix devient oscillant. Donc, si on laisse faire le marché pour que les gens économisent du pétrole en période de pétrole contraint, vous n'aurez pas le signal prix parce que le prix fera n'importe quoi. Mon travail descendra, etc. Et je fais partie des gens qui n'ont jamais affirmé que quand le pétrole deviendrait contraint, son prix allait augmenter indéfiniment. Je n'y ai jamais cru et j'ai toujours cru que le prix deviendrait oscillant. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment avec le baril qui redescend à $40, parfaitement normal pour moi. Puis ça va remonter, puis ça va redescendre, etc. Il n'y a pas plus de lien entre le prix du pétrole et le PIB mondial. S'il y avait un lien entre les deux, si je fais un graphique en mettant en abscisse le prix du baril de pétrole et en ordonnée le PIB mondial, eh bien mes nuages de points devraient s'organiser le long de quelque chose qui ressemble à une hyperbole. Donc quand le baril augmente, le PIB baisse, et quand le baril diminue, le PIB augmente. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le PIB peut augmenter avec un prix du pétrole qui baisse, il peut augmenter avec un prix du pétrole qui monte, il peut augmenter avec un prix du pétrole qui baisse, il peut augmenter avec un prix du pétrole qui monte, et il peut augmenter avec un prix du pétrole qui baisse. Il n'y a aucun lien entre le PIB mondial et le prix du pétrole. Aucun. Aucun. C'est un jeu à somme nulle. Si le prix du pétrole augmente, eh ben les producteurs s'en mettent plein les poches et les consommateurs souffrent, point. Et après, le Qatar nous achète le PSG, les galeries farfouillettes, et tout va bien. Il n'y a pas de lien. Par contre, pour les importateurs, là, ça fait une petite différence. Les importateurs, évidemment, payent plus cher quand le pétrole vaut plus cher. Ça, on est bien d'accord. Ce qui compte en ce qui concerne le pétrole, à nouveau, c'est le volume. Vous avez ici un graphique qui vous donne depuis 1965, en fait c'est 1968 parce que c'est une moyenne glissante sur 3 ans, la variation de la production mondiale de pétrole, donc pas le prix, hein, la production en rouge, et la variation du PIB par personne en bleu. Eh bien ce que vous constatez, c'est que depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis le moment où le pétrole est devenu contraint, hein, les chocs pétroliers c'est le moment où la production mondiale s'arrête de croître de 10% par an et passe à 1% par an de croissance. 2005, c'est le moment où elle passe de 1% par an de croissance à zéro. Zéro. Depuis 2005, la production mondiale de pétrole n'augmente plus, nonobstant le miracle du pétrole de schiste américain. Donc ça veut dire que ça monte aux États-Unis, ça descend partout ailleurs.
Eh bien, vous voyez que depuis cette époque-là, le PIB par personne évolue exactement comme la production en volume de pétrole. Et non seulement il évolue comme elle, mais il évolue quand même avec retard. Vous voyez que le rouge précède le bleu dans ces courbes, ce qui est une manière de dire qu'on ne consomme pas plus de pétrole parce qu'il y a de la croissance, c'est parce qu'on a plus de pétrole qu'il y a de la croissance. Et on en revient à mon petit graphique de tout à l'heure. Et la raison à cela est très simple. Le pétrole, c'est les échanges. Les échanges sont indispensables à l'activité économique. Vous n'avez plus aujourd'hui un acteur économique qui assure la totalité des transformations et de la commercialisation sans déplacement. Un acteur économique n'est que le maillon d'une vaste chaîne. Entre les maillons, il faut transporter. Moins de pétrole, moins de transport, moins de transport, moins de PIB. Recta. Parlons du pétrole dans la zone OCDE. Eh bien, vous voyez qu'il est passé par un maximum en 2006, deux ans avant Lehman Brothers. Le prix de l'immobilier aux États-Unis a commencé à baisser à la fin de l'année 2006, c'est-à-dire que le déclencheur de la crise, qui fait lui-même suite, le déclencheur financier de la crise, démarre en 2006. Le déclencheur physique de la crise démarre en 2005. La production mondiale de pétrole s'arrête de croître. L'approvisionnement pétrolier des pays de l'OCDE commence à être contraint à la baisse. C'est particulièrement sensible en Europe. Vous avez ici l'approvisionnement européen en pétrole. En rose, ce qui vient de la mer du Nord. En vert, ce qui est importé. Et vous voyez que depuis 2006, nous avons perdu 18% du pétrole en Europe. Pas parce que M. Borloo l'a souhaité. On n'a rien souhaité du tout dans cette histoire. C'est parce que c'est contraint. Et ça va continuer. C'est pareil pour le gaz. Depuis 2005, l'approvisionnement en gaz de l'Europe a perdu 20%. Alors là-dedans, vous avez des variations annuelles à cause du chauffage, mais peu importe. Vous voyez que la mer du Nord a entamé son déclin en 2005. Et ici, vous avez pour mémoire un potentiel du shale gas tel que je l'estime en Europe, si tant est qu'on décide d'y aller, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais de toute façon, même si on y va, ce n'est pas un game changer rapide. Et vous avez ici l'approvisionnement européen total en énergie, qui est passé par un maximum en 2006. Et vous voyez ce que valent les nouvelles renouvelables dans cette histoire, en violet, dans lequel on a mis à date des centaines de milliards d'euros. Il y a des centaines de milliards d'euros. Rien que l'Allemagne en a mis 350. Hein, des centaines de milliards d'euros. Ça ne change pas grand-chose. Ceci allant avec cela, voilà comment évolue la production industrielle de la France. Alors, c'est parce que nos politiques sont nulles, donc on a viré Montebourg et ça va mieux. Alors, voilà comment ça se passe chez les Anglais. Voilà comment ça se passe chez les Danois, voilà comment ça se passe chez les Suédois, voilà comment ça se passe chez les Finlandais, voilà comment ça se passe chez les Allemands. Les Allemands, ça c'est les champions du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 200 milliards par an d'exportation, mais tous les pays de la Terre ne peuvent pas être exportateurs nets. Donc en fait, la croissance industrielle de l'Allemagne se fait juste au détriment de la décroissance industrielle des autres pays, point quoi, c'est aussi con que ça. Vous avez ici ce qui se passe pour l'Espagne, et vous avez ici ce qui se passe pour l'Italie, et vous avez ici ce qui se passe pour l'Union européenne. J'aurais pu vous montrer le Japon, c'est pareil, et même les États-Unis sont juste revenus au niveau de production industrielle qu'ils avaient en 2007. Même les États-Unis. Et ceci allant avec cela, voilà comment évolue le PIB dans la zone européenne. Donc ici, vous avez la croissance annuelle du PIB reportée sur les 55 dernières années, depuis 1960. Et si vous faites une courbe de tendance sur cette croissance, bah vous voyez que la croissance diminue. C'est normal. Toutes les extractions de ressources naturelles ne peuvent pas croître de plus en plus au fil des ans. Et donc le PIB, qui n'est que la contrepartie monétaire de la transformation de ces ressources, ne peut pas croître indéfiniment. Vous connaissez cette blague, c'était Galbraith, je crois, qui disait, si vous croiser quelqu'un qui croit à la croissance infinie dans un monde fini, c'est un fou ou un économiste. Et les économistes ont la seule théorie, et c'est ça leur gros avantage sur les physiciens, ils ont la seule théorie dans laquelle il n'y a pas de limite par construction. Les physiciens, ils n'ont pas de peau. Il n'y a que des limites par construction dans les théories qu'ils manipulent. Ils n'ont quand même pas de chance. L'économie, il n'y a pas de limite par construction dans sa théorie. Donc la croissance infinie est à notre portée. Bon, le seul petit bémol, c'est que la théorie n'est pas bonne. Parce que quand vous essayez de prédire ce qui va se passer avec la théorie, ça ne marche pas. Mais bon, c'est sympa quand même. Vous avez ici la même chose sur la zone OCDE, et vous avez ici la même chose sur le monde dans son ensemble. Donc retenez une première chose à l'issue de cette démonstration, c'est que pour des raisons énergétiques, la croissance durable ne reviendra pas dans la zone OCDE, et c'est avec ça que vous allez devoir vivre. Et mon sentiment, c'est qu'il va même y avoir de plus en plus des marches d'escalier dans l'autre sens, et il va falloir vivre avec ça. Hein. Ça va faire partie du cadre dans lequel vous allez devoir fonctionner à l'avenir. Et moi aussi, du reste.
Je vais maintenant vous parler un tout petit peu de climat, même si Valérie Masson vous en a parlé, ou évidemment, je ne sais pas si elle vous a présenté ce truc-là, qui est une grande classique, qui est évidemment là pour rappeler que corrélation ne vaut pas preuve. Il y a aussi quelqu'un qui, dans un mode moins taquin, avait regardé l'évolution des bateaux de pirates et la température mondiale et en avait déduit que la température mondiale augmentait parce que les bateaux de pirates baissaient. Bon, corrélation ne vaut pas preuve. Je vais juste vous rappeler quelques petits trucs. L'effet de serre, ça a 2 siècles. Je vous laisserai ça, donc vous le lirez attentivement. Et ça doit du reste, soit dit en passant, aux Français. Quand on parle du réchauffement climatique, la variation de la température, c'est le marqueur médiatique. C'est-à-dire que les médias, ils savent faire que des trucs simples. Donc plus 5 degrés, ça ils ont compris, donc ils en parlent. Mais ils seraient bien inspirés de parler du reste. Par exemple, il va y avoir des variations fortes des précipitations. Et en particulier, et ça c'est un petit lien avec le printemps arabe, regardez ce qui se passe sur le pourtour du bassin méditerranéen. De moins en moins de précipitations, donc une production agricole qui va de plus en plus souffrir. Une production agricole qui souffre de plus en plus avec une population de plus en plus nombreuse. Vous avez plein d'exemples historiques de ce que ça donne, ça s'appelle des révolutions. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Vous avez d'autres choses. Donc les rendements agricoles vont souffrir, les écosystèmes risquent de souffrir, la biodiversité des maladies pourrait augmenter. Vous allez avoir une augmentation de l'intensité à minima des phénomènes extrêmes. L'océan se dilatant, enfin l'eau se dilatant, l'océan va monter. L'océan va s'acidifier avec des effets tout à fait inconnus sur les écosystèmes marins. Vous allez avoir une modification de la circulation à grande échelle dans l'océan. Il y a une déstabilisation déjà en cours du Groenland et potentielle de l'Antarctique de l'Ouest. Ça, j'en ai déjà parlé. Vous avez des phénomènes d'amplification dans le système qui pourraient larguer des réservoirs de carbone qui sont immobiles depuis des millions d'années. Et le point important, c'est le dernier. Quand vous faites une expérience pour la première fois, ça n'a strictement aucun sens de demander à quelqu'un de vous décrire par le menu tout ce qui peut se passer pendant l'expérience en question. Alors je vais prendre une expérience que les hommes ont fait 3 milliards de fois, qui s'appelle se marier. Il y a peut-être quelques personnes dans la salle qui sont concernées, hein. Marié. Bon, on a fait ça 3 milliards, 4 milliards de fois. Donc, là, on a un track record. Quand même, on l'a fait un certain nombre de fois. Et là, on peut faire des nuages de points, des régressions, des machins, des trucs, des bidules. Bien, pour autant, prenez un couple qui se marie aujourd'hui. Vous êtes infoutu de dire ce que sera ce couple dans 30 ans. Alors que pourtant, on a fait l'expérience 3 milliards de fois. Maintenant, vous prenez une expérience que vous faites pour la première fois grandeur nature, qui s'appelle réchauffer un climat de 5 degrés en un siècle, ou en 2 siècles. Ça n'a pas le moindre sens de demander à la communauté scientifique de vous faire l'inventaire précis de tous les emmerdements qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. J'insiste, pas de sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est de rapprocher ça du passé pour comprendre qu'on est en train de secouer le système dans des proportions telles que la probabilité pour qu'on n'ait pas d'emmerdement majeur est rigoureusement nulle. Ça, ça a du sens. Et c'est ça que je vais vous dire tout de suite. Vous avez ici, je ne sais pas si Valérie vous l'a montré cette carte ou pas. Non. Les écosystèmes qui sont installés en Europe si on leur fout la paix, aujourd'hui. Alors si on leur fout la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne coupe pas les forêts pour faire des champs, qu'on ne coupe pas les forêts pour faire des routes, des aéroports et des écoles, des ponts. Bref, on laisse les écosystèmes vivre leur vie et on regarde ce qu'on a. Eh bien si on fait ça, voilà les écosystèmes qui sont aujourd'hui installés en Europe. Vous avez essentiellement de la forêt, ce qui veut dire que les conditions climatiques sont sympas, puisque la forêt est en général l'écosystème le plus riche en biodiversité que vous puissiez avoir quelque part si les conditions s'y prêtent. Donc vous avez essentiellement de la forêt, boréale, méditerranéenne, machin, etc. Tout au nord, il fait trop froid, donc trop sec pour que vous ayez de la forêt. Tout à l'est, il fait trop sec pour que vous ayez de la forêt, mais partout ailleurs, c'est plutôt de la forêt que vous avez. Voici l'Europe d'il y a 20 000 ans. Alors l'Europe d'il y a 20 000 ans ne ressemble pas vraiment à l'Europe d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. La première chose qui se passe, et je ne sais pas si l'école des ponts accueille aujourd'hui des élèves suédois, danois ou finlandais, mais je peux vous dire qu'il y a 20 000 ans, ce n'était pas possible parce qu'ils étaient sous la glace. Il y avait une calotte de 3 km d'épaisseur qui était posée sur la Scandinavie, et soit dit en passant, il y en avait également une autre qui était posée sur le nord de l'Écosse, donc les Écossais n'étaient pas là pour nous emmerder au rugby, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Vous voyez que le trait de côte passe à l'extérieur de la Grande-Bretagne actuelle. Alors pour ceux d'entre vous qui font de la voile, pas trop, vous êtes quand même là pour étudier,
Vous savez probablement que le point bas de la Manche aujourd'hui c'est 110 mètres, 114 très exactement, si j'ai bien regardé mon sondeur. Donc c'est une mer qui n'existait pas, la Manche, il y a 20 000 ans, puisque l'océan avait baissé de 120 mètres. Où était passée l'eau qui n'est plus dans l'océan? Dans les énormes calottes qui étaient sur la Scandinavie. L'Antarctique avait grossi, le Groenland avait grossi, et il y avait une énorme calotte également posée sur le Canada, la calotte du Laurentide. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de forêt en Europe à cette époque-là. La totalité de l'écosystème européen ressemble plus ou moins à ce qu'on trouve aujourd'hui dans le nord de la Sibérie. Vous avez un peu partout de la steppe, etc. Et du coup, la capacité à nourrir des bons hommes du système France, du système agricole France à l'époque, c'est à peu près la population de Boulogne-Billancourt. Donc un peu moins, parce que c'est 150 000 personnes, Boulogne-Billancourt. Donc l'écosystème France, le système agricole France à cette époque-là, au grand dam de la FNSEA, ne sait nourrir que 100 000 personnes qui vivent de chasse et de cueillette. À gauche, il y a 20 000 ans, à droite, aujourd'hui. Quelle est la différence entre ces deux états de l'Europe? Eh bien, la différence entre ces deux états de l'Europe, c'est 5 degrés sur la moyenne planétaire. Il y a 20 000 ans, la Terre était en ère glaciaire. En ère glaciaire, la température moyenne de la planète est inférieure de 5 degrés à ce qu'elle est, alors j'allais dire aujourd'hui, à l'époque pré-industrielle plus exactement. 5 degrés. 5 degrés en 5000 ans fait la transformation que vous avez sous le nez. On va refaire une règle de 3. 5 degrés en 5000 ans, ça fait 1 degré en 1000 ans, ça fait 0,1 degré par siècle. 0,1 degré par siècle. Soutenu sur quelques dizaines de siècles, ça vous fait ça. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que quelques degrés en un siècle, ça va être une promenade de santé? Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout être un problème de santé, ça ne va pas du tout être un problème de maillot de bain en plus ou en moins. À cette époque-là, quand les gens devaient déménager, ils étaient quelques millions sur Terre, la population mondiale était de 5 millions sur le paysage de gauche, et puis le choix démocratique n'était pas vraiment le sujet, donc quand on devait déménager, monsieur chef de tribu prenait une grosse massue, tapait sur la tête de madame chef de tribu et des enfants chef de tribu, tirait tout le monde par les cheveux, on prenait 3 crayons pour barbouiller la grotte d'après, 2 pagnes et un harpon, et clac, c'était terminé. Aujourd'hui, vous avez 7 milliards de bonshommes sédentaires sur Terre, et vous n'allez pas déménager avec sur votre dos l'école des ponts, Notre-Dame, les raffineries, les centrales électriques, les routes, les usines, les ports, etc. Ça n'existe pas, ça. Et puis si vous allez vous mettre dans un endroit qui est sympa, avec 7 milliards de bonshommes sur Terre, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait déjà des gens et ils ne seront pas d'accord pour vous voir arriver. Donc ce que signifie 5 degrés en un siècle, ou 4, ou 3, c'est essentiellement un monde qui va devenir chaotique et guerrier. C'est ça que ça signifie. Donc je ne suis pas en train de vous parler d'un maillot de bain, on s'en fout d'un maillot de bain. Je suis en train de vous parler de la stabilité politique, sociale, de l'espérance de vie et de la taille de la population. C'est de ça dont on est en train de parler. Voilà, je finis avec, j'ai été un tout petit peu long, non le reste je vais garder pour les questions, j'avais dit que j'aurais une règle de 3 mais c'est pas grave, je vais finir avec ça. Voilà, ça aurait pu durer 5 secondes. C'est ça mon résumé. Que nous le voulions ou pas, que nous le voulions ou pas, l'énergie a tout fait dans le monde qui nous entoure. À 7 millions de bonshommes sur Terre, il n'y a plus assez d'énergie pour qu'on en ait de plus en plus partout et tout le temps. Et il y a trop d'énergie fossile pour qu'on ait un climat qui reste stable. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, l'énergie sera le grand défi de ce siècle. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici pour ce constat provocant, alarmant, bon, presque déprimant. Vous avez, je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de questions sur le constat, mais peut-être aussi sur bon, les pistes pour les solutions face à ce grand problème. Donc voilà, sans plus tarder, voilà, une première question. Rapidement, si vous avez des pistes de solutions. Alors, je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous appelez une solution? Une solution, c'est quelque chose qui permet d'obtenir quoi? Qui permettrait, par exemple, d'avoir, enfin, je pense là, une cohésion au niveau international pour, enfin, au niveau des décisions. Alors, une cohésion internationale fait partie des derniers trucs qu'on aura, parce que comment dire, la distance au problème est extrêmement variable en fonction des pays que vous regardez.
Et les envies sont extrêmement variables, les cultures sont extrêmement variables. Selon, par exemple, que la vie est la première valeur ou pas dans votre culture, vous n'avez pas du tout le même genre de réponse face à ce problème. Donc, la cohésion internationale, elle n'existera jamais. Ce qui peut exister, c'est des accords internationaux sur des points un peu précis. Et là, si vous pensez, par exemple, à ce qui va se passer à Paris dans quelques mois, ce qui va se passer à Paris dans quelques mois ne changera pas fondamentalement la manière dont les pays s'organisent face à ce problème. Ça le changera un peu. Mais ça ne changera pas fondamentalement pour une raison très simple, c'est que les Nations Unies n'ont pas le pouvoir d'envoyer les chars chez les gens qui se comportent d'une manière qui est considérée comme déviante par les Nations Unies. On leur a, sauf dans un cas très particulier qui est les décisions du Conseil de sécurité, mais pour le moment le climat n'en relève pas. Donc les Nations Unies, c'est un système montant dans lequel chaque pays dispose d'une voix, donc les États-Unis et les îles Tuvalu ont le même pouvoir aux Nations Unies, et les décisions doivent être obtenues par consensus. Tout le monde doit être d'accord sur ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une assemblée de copropriétaires. Vous avez déjà été dans une assemblée de copropriétaires ? Non. Bon, qui a déjà été dans une assemblée de copropriétaires ici ? Vous connaissez un peu le... Bon. Alors, imaginez 198 copropriétaires. 198. Qui voteraient à une assemblée de copropriétaires indépendamment de la surface de leur appartement. Donc celui qui a un placard à balai a une voix comme celui qui a le triplex au sommet de l'immeuble. Qui doivent décider d'une augmentation des charges, qui n'ont pas a priori la clé de répartition, et qui ne savent pas qui est le bénéficiaire de l'augmentation des charges qu'ils vont voter. Et ces gens-là doivent se mettre d'accord de manière totalement unanime. Quelle est la probabilité qu'on y arrive ? Zéro. Donc c'est exactement ce qui se passe aux négociations climat, la probabilité qu'on y arrive est nulle. Par ailleurs, vous avez bien compris que diminuer les émissions de CO2, c'est diminuer la consommation d'énergie fossile. Diminuer la consommation d'énergie fossile, c'est diminuer la consommation d'énergie tout court. Diminuer l'énergie disponible, c'est diminuer le PIB. Donc les négociations climat ne sont pas très loin de ressembler à une discussion sur la meilleure manière d'organiser la décroissance. Physiquement, c'est ça. Question, quelle est la probabilité qu'on y arrive ? Zéro. Donc, l'accord international dans cette affaire, c'est la dernière chose qu'on aura. Le jour où un certain nombre de pays, en quantité croissante, il faut le souhaiter, et pour des raisons strictement égoïstes, donc intérieures, décideront de s'exciter face à ce problème, parce qu'ils comprendront que toute chose égale par ailleurs, c'est leur meilleure option. Alors, dans cette catégorie-là, j'en vois déjà deux, très significatifs. Un, c'est l'Europe. Mais il faut que l'Europe comprenne qu'elle est déjà sous stress d'approvisionnement en combustibles fossiles et que ça va s'accélérer. Donc de toute façon, décarboner l'économie, c'est sa meilleure option. Mais on a vachement de mal à faire accepter cette idée. Mais là, je vais faire une toute petite digression sur les médias. Parce que le problème le plus mis en avant dans les médias est le problème climatique et pas le problème de stress d'approvisionnement. Et la raison liée à ça, c'est que le problème climatique procède d'un mouvement militant et d'une science disponible qui sont là, donc il y a un mouvement militant et il y a une science disponible. En ce qui concerne la décrue énergétique, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas le mouvement militant et l'information n'est pas disponible parce que pour avoir une vue qui commence à être à peu près complète de ce qu'est vraiment l'approvisionnement en combustibles fossiles quelque part, il faut avoir passé 5 ans de déjeuner un peu alcoolisé avec des gens qui acceptent de se lâcher pour qu'ils vous donnent des informations qui ne sont pas dans le domaine public. Parce que les informations sur la réalité des productions et des réserves sont des informations détenues par des opérateurs commerciaux et elles ne sont pas dans le domaine public. Donc il faut y aller à la mano, c'est un travail de fourmi. Changement climatique, c'est que de la recherche publiée, donc pour peu que vous vous en donniez la peine, tout est disponible. Donc, l'Europe, y aurait intérêt, et le deuxième pays qui y a intérêt, c'est la Chine, parce que la Chine est, comme l'Europe, un peuple à l'existence multimillénaire, c'est des gens qui savent réfléchir, c'est des gens qui ont bien compris qu'un milliard et quelques dans la taille du pays, ça allait poser des problèmes. C'est des gens qui sont capables de voir à 30 ou 40 ans encore. Et c'est des gens où les élites urbaines, c'est peut-être ça le plus important et j'aurais peut-être dû commencer par ça, donc les élites au pouvoir commencent à trouver intolérable la pollution des centrales à charbon. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc il y a deux blocs, à mon avis, qui sont intéressants à regarder, c'est la Chine et l'Europe. Il se trouve que conjoncturellement, les États-Unis sont aussi sur la bonne pente, parce qu'en remplaçant du charbon par du gaz, même de schiste, ils font baisser leurs émissions. Mais à mon avis, c'est plus conjoncturel que structurel, parce que vous savez quand même que le slogan des États-Unis, c'est « nos limites ». Donc nos limites
pour se confronter à un problème qui n'est qu'un problème de limite, c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà en gros, mais la communauté internationale ne donnera pas la solution. Ce qui va donner la solution, c'est un empilement d'actions nationales ou régionales. C'est à ce niveau-là, c'est à cette échelle-là qu'il faut aller chercher le début de l'initiative. Il y a un autre endroit aussi qui peut être intéressant à regarder, c'est les multinationales. Vous voyez, les multinationales, c'est celles capitalistes, etc. Oui, sauf que là-dedans, il y en a qui ont un intérêt direct à l'action et que les multinationales sont les seules institutions transnationales capables d'imposer une discipline interne. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, si, il y a la construction européenne. Mais à part la construction européenne, multinationale, c'est donc... Bon, chez elle, il y a évidemment à boire et à manger. Mais c'est aussi... Le monde économique est en train de se cliver sur ce sujet. Hein. Il y a 10 ans, il était unanime à dire « Vous nous emmerdez avec les contraintes sur les émissions ». Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le discours. Et pour vous donner un exemple assez rigolo et très récent, le patron de Total, aujourd'hui, milite pour une augmentation du prix du CO2 en Europe. On lui dit « Il est fou ». Il n'est pas du tout fou. C'est la condition à laquelle le gaz peut déplacer le charbon. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que la production électrique au gaz est en train de se casser la gueule et la production électrique au charbon est en train de très bien se porter. Et le patron de Total dit « ça serait quand même mieux si c'était l'inverse du point de vue du CO2, il n'y a pas tort. Et la seule condition pour y arriver, c'est que le CO2 vaille quelque chose et qu'il vaille suffisamment cher pour que les centrales à charbon soient défavorisées économiquement par rapport aux centrales au gaz. » Donc ce brave homme est en train d'entraîner tout un tas de pétroliers européens puis mondiaux dans l'idée qu'il faut monter le prix du CO2. Et il ne le fait pas du tout par raison altruiste, encore que j'ai eu sa fille comme élève il y a 2 ans, ça peut être... Non, pardon. Il le fait avant tout parce que c'est parfaitement cohérent avec le mandat qui est le sien de diriger cette boutique. C'est parfaitement cohérent. Donc c'est ça que je voulais dire quand je dis le monde est en train de se cliver économiquement là-dessus. Et il faut aller chercher les gagnants de l'affaire. En gros, il faut faire le lobby économique des gagnants potentiels de l'affaire, qui sont très loin d'être juste les opérateurs et les fabricants de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes. Très loin. Si je peux préciser un petit peu, du coup, approfondir un peu la question, en termes de solutions, est-ce que vous avez des idées de solutions techniques, plus que de solutions politiques, pour, disons, arriver à une transition plus douce? Alors, là, c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous mettez derrière le mot solution. Si vous mettez choses à faire qu'il faut faire de toute façon, parce que si on les fait, on se portera mieux que si on les fait pas, alors là, j'en ai toute une liste que je peux vous énoncer rapidement. La première des choses à faire, ça va être un peu inventaire à la Prévert. Hein. Il y a une action à avoir dans le domaine des transports. Et dans le domaine des transports, les deux grandes marges d'action s'appellent réglementer la consommation des voitures neuves, taxer les véhicules à la détention au prorata de leur consommation, taxer de manière croissante les carburants, augmenter l'offre de bus, parce que le train est beaucoup trop capitalistique en termes d'infrastructure pour permettre de déplacer rapidement de la voiture. C'est le bus qui peut s'en charger. Promouvoir le vélo et le covoiturage et, à long terme, dégonfler les villes. Les villes de 10 millions d'habitants ne sont pas viables dans un monde à l'énergie contrainte. Et faire des noyaux urbains denses, bien répartis sur le territoire, avec un hinterland qui permette l'approvisionnement en denrées essentielles, sans avoir besoin de faire 10 000 km à chaque fois. Vous avez un deuxième sujet sur le bâti, qui est d'essayer de faire en sorte que les gens divorcent moins, parce que plus vite divorcez, plus vous avez besoin de surfaces construites à population identique. C'est pas du tout une blague. Vous avez la consommation d'énergie des gens quand ils divorcent augmente de 60% instantanément. Donc j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle à vous donner. Ça sera plus compliqué pour votre génération de divorcer que ça ne l'a été pour la mienne. Donc choisissez mieux. Vous avez donc un sujet sur le bâti. Non, c'est pas une blague ce que je dis. Hein. S'il y a une inflation perpétuelle de la demande en mètre carré par personne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le plan technique, vous n'y arrivez pas, quoi. Et en termes purement techniques, vous avez la performance de l'enveloppe et les appareils de chauffage. Et pour être un peu pragmatique, il faut isoler mais sans excès et tout passer à la pompe à chaleur et construire quelques réacteurs nucléaires pour alimenter tout ça. Sur le plan de l'électricité, il faut tuer le charbon et remplacer ça par du nucléaire. On ne sera pas dans les temps, jamais, si on essaye avec du photovoltaïque et de l'éolien. Donc aujourd'hui, les gens, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme vous le savez. Aujourd'hui, les gens qui disent on va remplacer les fossiles par du photovoltaïque et de l'éolien, malheureusement pour eux, ne font que
œuvrer pour que le changement climatique soit plus important. C'est ça qu'ils font, en pratique. Évidemment, si vous leur dites, ils vont dire que je suis fou, mais en pratique, c'est ça qu'ils font. C'est un peu comme si vous dites à Renault, dont les ventes de voitures diminuent, « Vends donc des trombones et tu vas garder le même nombre d'emplois. » Ça ne marchera pas. Donc il faut tuer le charbon dans la production électrique mondiale. En France, on n'en a pas énormément. Donc là, ce que je suis en train de vous dire ne concerne pas la France directement pour ses installations. Par contre, ça concerne directement la France pour son industrie. On peut quand même en exporter 3,5 si on rentre dans ce genre de schéma. Vous avez, en ce qui concerne l'industrie, il va falloir se faire à l'idée que les objets vont redevenir plus durables, plus chers, plus réparables et moins accessibles. Donc plus chers, j'insiste. Donc le fait que la production industrielle diminue, c'est le sens de l'histoire. Par contre, il faut qu'on n'ait pas besoin de changer le frigo tous les 3 ans, l'ordinateur tous les 3 ans, etc. Donc, et tout ça va de pair avec un système économique dans lequel ça coûte plus cher, on en prend plus soin, les performances changent moins souvent, etc. Ça va également de pair avec un truc auquel je crois beaucoup. Il y a un ingénieur qui s'appelle Philippe Biwix, pour certains d'entre vous, si vous le connaissez, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'âge des low-tech », que je vous recommande. Et dans lequel il fait cette réflexion qui est, je suis honteux de ne l'avoir eue qu'en le lisant, parce que c'est tellement évident. Si vous voulez recycler de manière significative, vous ne pouvez pas faire du high-tech, parce que le high-tech consiste à mélanger les 2/3 du tableau de Mendeleïev dans n'importe quel objet que vous faites, et ensuite vous n'arrivez pas à aller récupérer les éléments unitairement, les uns derrière les autres. Donc si vous voulez récupérer facilement l'acier, vous ne pouvez pas faire des tas d'alliages spéciaux pour des tas d'usages spéciaux, sinon vous n'y arrivez pas. Etc. Donc ce que dit Biwix, qui est frappé au coin du bon sens, c'est si on veut beaucoup recycler, il faut faire du low-tech et pas du high-tech. C'est très perturbant pour les ingénieurs que nous sommes, hein. Mais il y a quelque chose de fondamentalement vrai dans sa remarque. Donc il faut faire simple, modulaire, déconstructible, etc. En ce qui concerne l'agriculture, pour finir, il faut remettre quelques millions de personnes dans l'activité agroalimentaire au sens large, mais pas au sens de l'industrie qui concentre tout, transforme tout et redistribue tout, mais au sens des gens qui vont s'occuper plus près du sol, donc plus localement, d'abord de remettre un peu le sol en état, mais ça concerne plus les agros que vous, et ensuite d'avoir des circuits. Il n'y a aucune raison qu'on fasse tous les poulets de France en Bretagne. Je veux dire, je ne pense pas que les poulets soient plus malheureux quand ils sont en Provence ou à Strasbourg. Enfin, en tout cas, si on leur demandait leur avis, je pense que c'est ce qu'ils diraient. Donc, il y avait un truc qui était très simple au début pour pas avoir les emmerdements au sens propre du cochon en Bretagne et les engrais de synthèse dans la Beauce, qui était de faire chier les cochons dans la Beauce. Marchait très bien. Donc on a un vrai problème qui est de revenir à une forme de polyculture élevage ou un peu plus à une forme de polyculture élevage. C'est clair qu'on ne va pas mettre des palmiers dans la Beauce, mais enfin, on peut quand même un peu plus diversifier les cultures, histoire d'être moins dépendant au transport aval. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1/3 des camions qui circulent en France transportent un truc qui se mange. Donc la vraie dépendance au pétrole du système agroalimentaire, elle n'est pas dans les champs, elle est à l'aval. Hein, elle est dans le système aval. Je spécialise, je concentre, je transforme, je distribue. Tout ça, ça tient pas avec une énergie en contraction. Donc il faut remettre des gens dans l'activité agricole pour mieux exploiter les mètres carrés de sol avec moins d'intrants et plus transformer, donc plus mettre de valeur ajoutée près de la production et moins dans des endroits qui sont éloignés de centaines de milliers ou de dizaines de milliers de kilomètres. Donc tout ça, il faut aussi dégonfler les unités productives. La mondialisation, ça marche pas avec peu de pétrole. Donc vous avez tout ce travail qui va être à faire. Rien de tout ça ne fera revenir la croissance économique, si c'est ça la question. Par contre, tout ça donne des tas de projets qui peuvent avoir un sens. Et à titre personnel, si on s'y prend bien, si on est dans un système dans lequel chaque année on gagne 1% de moins que ce qu'on gagne l'année précédente, je pense que c'est pas un drame. C'est-à-dire que si vous et moi on gagne 1% l'année prochaine en moins de ce qu'on gagne cette année, on s'organise. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, comme chacun s'accroche à ses avantages, le 1% en moins est concentré sur 1% de la population qui passe de tout à rien. À eux, ça leur fait tout drôle. Donc on va avoir aussi besoin de réinventer le dialogue social. Ça va aussi vous concerner, parce que pour ceux d'entre vous qui auront des postes à responsabilité plus tard, je peux vous assurer que ça va vous concerner. Moi, j'ai des négociations salariales dans mon entreprise, pourtant avec des gens éduqués, puisqu'il n'y a que des cadres supérieurs, c'est une boîte de consultants. Et ben, rien qu'à eux, leur faire comprendre que quand l'inflation est nulle, il n'y a pas de raison d'accorder des augmentations générales, ben, faut y aller, hein. Bon.
Il va y avoir besoin de réinventer et ils sont tous par ailleurs pour le partage, le machin, la générosité, etc. Pas de problème. Donc, on va avoir besoin de réinventer le dialogue social. Donc, tout est à réinventer dans cette affaire, puisque, comme vous l'avez compris, l'énergie nous a permis de vivre sur une grosse bulle de chewing-gum qui n'arrêtait pas de se dilater. Et il va falloir inventer tout un tas de mécanismes qui ne sont pas compatibles avec cette dilatation perpétuelle. Donc, en termes de créativité, ça peut, ou ça pourrait, être une époque absolument formidable. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il va falloir faire tout un tas de trucs pour le changement climatique déjà embarqué, parce que à cause, ça c'est un truc que Valérie a dû vous expliquer, à cause de l'inertie de l'océan en particulier, si on s'arrête d'émettre demain matin, de toute façon, il y a encore un certain nombre de compartiments du système climatique qui vont continuer à dériver pendant des milliers d'années, hein, de toute façon. Donc, il va aussi falloir s'occuper de ça. Vous avez beaucoup parlé du premier principe de la thermodynamique, mais nous, en cours, on nous en a appris deux. Est-ce que le deuxième a une importance dans la production énergétique? Le deuxième, il était implicite dans ce que je vous ai dit sur le rayonnement à 3 degrés Kelvin de l'univers. Voilà, typiquement, une quantité d'énergie qui, au regard du premier principe, est énorme. Par contre, au regard du deuxième principe, vous n'en ferez jamais rien. Mais par exemple, l'énergie éolienne ou hydrolienne sont des énergies qui, au regard du second principe, sont plus intéressantes. Oui, mais elles sont très diffuses. Elles sont extrêmement diffuses. Donc il vaut mieux avoir un rendement dégueulasse sur une énergie très concentrée qu'un rendement excellent sur une énergie très diffuse. À l'arrivée, vous vous y retrouvez quand même avec l'énergie très concentrée. Par contre, il y a un autre truc que vous savez probablement, c'est que l'électricité en tant que telle ne se stocke pas, puisque l'électricité se définit par des électrons en mouvement. Et il n'y a que dans des supraconducteurs que vous savez stocker des électrons en mouvement. Sinon, vous devez transformer l'électricité en une autre forme d'énergie pour la stocker. Et il se trouve que toutes les formes de stockage de l'électricité que nous connaissons aujourd'hui supposent la mise en jeu de masses qui sont extrêmement significatives, et c'est ça qui pénalise l'électricité dans l'usage transport, là où le pétrole est roi, parce que dans un réservoir de pétrole, vous avez 10 kWh par litre, alors que dans un kilo de batterie plomb acide, vous avez 35 Wh. Et même les batteries poète-poète modernes, là, lithium-ion, etc., vous avez des densités énergétiques qui restent de l'ordre de 150, 200 Wh par kilo. Donc vous voyez, vous êtes un facteur 10 plus quelque chose, plutôt 50, en dessous de la densité énergétique du pétrole. Donc l'électricité, quand vous l'obtenez, effectivement, vous l'obtenez avec un bon rendement. Quand vous devez la stocker, là, le rendement se dégrade extrêmement fortement. Bonjour. Vous semblez être assez pessimiste quant aux aboutissements de la COP21. Et vous nous avez fait un scénario assez apocalyptique sur les 5 degrés. Mais est-ce que, à votre avis, 2 degrés, c'est possible? Ou bien, physiquement, oui. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne suis pas Madame Soleil. Est-ce que c'est une élévation de température sans emmerdement? Non. Est-ce que c'est une élévation de température avec emmerdement qui sont susceptibles de diviser la taille de la population humaine par deux? Je n'en sais rien. Parce qu'en plus, ça ne sera pas le seul facteur de pression sur la taille de la population humaine. Il y aura aussi des stocks d'énergie. Et comme on va écrire l'histoire qu'une seule fois, l'attribution des causes ne sera pas simple. Certains d'entre vous connaissent peut-être un homme qui s'appelle Brice Lalonde. C'est un homme remarquable. Brice Lalonde a été le directeur de campagne du premier candidat aux élections présidentielles qui était un écolo en 1974, René Dumont. C'est un franco-américain, c'est peut-être pour ça qu'il est, il est bigorné comme il l'est. Il a été de tous les coups de l'environnement depuis très longtemps, 1974 ça commence à faire un peu, et en particulier il était ministre de l'environnement de Mitterrand au moment du sommet de la Terre en 1992 à Rio, qui est le sommet où a été signée la convention climat. Il a fait toutes les réunions internationales sur le climat depuis lors, toutes. Eh bien, il a une petite blague qui est, si on en est à la COP21, 21e, c'est parce que ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas. Et sa petite blague, elle est parfaitement fondée. Le système même des Nations Unies fait qu'on n'arrivera pas à faire des choses discriminantes dans cette enceinte. Et les rares fois où on y arrive, je vais vous parler de Copenhague parce que j'y étais, la presse, emmenée par des gens bien pensants, pour prendre un terme approprié, dit « Ah, c'est pas bien que ça se passe comme ça ». Alors, ce qui s'est passé à Copenhague, ce que j'y étais, ça a été un hold-up du G20 sur les Nations Unies. C'est-à-dire qu'à un moment, les puissants ont dit « Vous les mioches, là, vos gueules, ça va être comme ça. » Il n'y a que comme ça que ça peut marcher.
n'y a que comme ça que ça peut marcher. Si vous décidez du programme d'enseignement de la première année en disant chaque personne, on part d'une feuille blanche et chaque personne dans cette enceinte a une voix et on doit y arriver de manière unanime. Vous pensez que ça va marcher ? Bon, si le directeur des études dit c'est comme ça et pas autrement, je pense que ça marche un peu mieux. Donc, enfin, en tout cas, vous avez un résultat. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé à Copenhague. À Copenhague, ce qui s'est passé, et là, je tiens l'information de source sûre, donc c'est vraiment un truc qu'on peut mettre à son crédit. C'est dans la deuxième semaine des négociations, dans la nuit du jeudi au vendredi, Sarkozy qui a dit on ne peut pas repartir tous chez nous comme ça avec rien. Donc, Merkel vient ici, Cameron vient ici, Obama vient ici, etc. On va faire une réunion entre nous et on va dire ce qu'on a envie de faire. Donc ils se sont mis dans une pièce noire, enfin non éclairée en fait. Ils ont commencé à discuter entre eux et ils ont fait ce que font des présidents dans une enceinte pareille, c'est-à-dire qu'ils ont drafté 2 pages, 12 items en disant, ben voilà, on se met d'accord là-dessus. Ça s'appelle le début d'un agenda politique qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens se réunissaient, mais ils ne savaient pas si l'objectif c'était 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 degrés. Bon. On est sorti de cette pièce, c'était 2 degrés, c'était 100 milliards pour le fonds, etc. Donc il y avait le début d'un agenda politique. C'est un succès. C'est un succès. La presse a qualifié ça d'échec. Et pourquoi la presse a qualifié ça d'échec ? Parce que les ONG n'étaient pas voix au chapitre et que c'est elles qui sont les premières à se précipiter devant les micros. Donc comme elles n'en étaient pas, elles ont dit c'est un échec et le mot est parti. Donc non seulement les négociations internationales ne sont pas nécessairement faites pour ce que vous croyez qu'elles font, mais en plus, quand il y a des avancées, il arrive que la presse unanime dise « c'était pas ce qu'il fallait faire ». Donc je suis pas pessimiste, je suis juste un peu taquin en disant... ce qui est important avec ces négociations, c'est pas qu'on négocie, c'est qu'on en parle. Dit autrement, le principal avantage de ces réunions, c'est que ça fait monter le sujet sur l'agenda médiatique, au moins une fois par an, de manière significative, et que ça, du coup, ça fait monter le sujet sur l'agenda politique, parce que si c'est dans les médias, c'est sur l'agenda politique et réciproquement. Donc ça a quand même un avantage de ce point de vue. Par contre, les décisions techniques importantes, elles ne sont pas prises dans ce genre d'enceinte, sauf en cas de hold-up. Donc ce qu'il faudrait, c'est que parallèlement, le climat devienne un sujet de conférence présidentielle annuelle, typiquement dans l'enceinte du G20. Ça accélérerait encore le processus. Sinon, pour le reste, je ne suis pas plus pessimiste que quand je vous dis, à mon âge, je cours de moins en moins vite tous les ans. Comme ça, quoi, c'est la vie, on fait avec. Après, la question, c'est est-ce que ça m'empêche fondamentalement d'être heureux ou pas ? Et si la réponse est non, parce que j'ai d'autres raisons d'occuper mon esprit, mon temps, etc., et que ça me va bien, va bien, quoi. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est à partir de maintenant, la croissance économique, c'est du passé, enfin, sauf sursaut temporaire. Bon, bah, c'est la vie. C'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que ça prive de la capacité à faire tout projet qui soit compatible avec ce cadre. Ça, c'est emmerdant. Bon, mais c'est pas le cas. Nous allons prendre encore une ou deux questions. Bonjour. Vous avez parlé du lien entre le changement climatique et le printemps arabe. Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu plus ? Ah, j'ai besoin de 5 minutes. Je les ai. Alors le printemps arabe, il démarre avec 2 éléments qui sont le plafonnement de la production pétrolière mondiale en 2005 et qui est très cohérent avec le problème énergétique. Et la canicule historique qu'il y a eu en Russie en 2010, qui est très cohérente avec le changement climatique. Le plafonnement de la production mondiale de pétrole en 2005, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais je vais y revenir, a eu pour effet de tasser la croissance économique à partir de 2006-2007 dans un nombre croissant de pays. Et ce tassement de la croissance est venu percuter de plein fouet l'accumulation de dettes qui avait commencé à se développer en réponse au premier choc pétrolier où, en fait, c'est une amplification de ce qui s'est passé au moment du premier choc pétrolier, moins de pétrole par an, et du coup, on essaye de relancer l'économie avec des investissements en faisant crédit à tout le monde. Et comme l'économie ne se relance pas parce que l'énergie n'est pas là au niveau qu'il faudrait pour que l'économie reparte comme avant, eh bien, on se retrouve avec les investissements, donc les emprunts, et pas les revenus en face qui permettent de les rembourser, et donc un stock de dette qui s'accroît. Et depuis les chocs pétroliers, on a inventé la dette perpétuelle. C'est une pyramide de Ponzi, hein, l'endettement qu'on a depuis les chocs pétroliers. C'est-à-dire, chaque année, j'emprunte plus pour rembourser ce que j'ai emprunté l'année précédente. Très exactement ce qu'a fait Madoff. C'est exactement la même chose. Hein. Sauf que pour le moment, Moody's dit, ça vaut double A. Pour le moment.
Donc en 2005, le phénomène s'accélère encore. Sauf que cette fois-ci, ça craque. Vous avez un défaut et une crise financière. La crise financière provoque un rattrapage de l'économie dans l'autre sens et en 2009, moins 3% de PIB. À ce moment, quelles sont les dépenses dans lesquelles les consommateurs occidentaux vont tailler en premier? Vous avez notamment les dépenses de voyage. Et donc les touristes qui se rendaient en Tunisie et en Égypte, un peu moins en Algérie et au Maroc, décident de s'y rendre un peu moins. Baisse des recettes à l'exportation pour ces pays-là. 2010, canicule historique en Russie. La Russie produit annuellement à peu près 100 millions de tonnes de céréales, dont la moitié part en exportation sur le marché mondial. Alors, il faut savoir que le marché mondial des céréales est un marché très étroit, parce que seulement 10% de la production mondiale de céréales passe une frontière. Donc c'est un petit marché. On produit chaque année 2 milliards de tonnes de céréales, 200 millions passent les frontières en ordre de grandeur, et là-dedans, quelques dizaines de millions de tonnes sont le fait de la Russie. Ces dizaines de millions de tonnes, overnight, la Russie dit cette année, ça sera zéro. Un jour de juillet, la Russie dit cette année, je n'exporterai pas. Le lendemain, le cours des céréales à Chicago prenait 30%. 30% overnight. Et si vous regardez comment a évolué le cours des céréales sur l'année 2010, il a doublé dans l'année. J'en reviens à l'Égypte et à la Tunisie. L'Égypte est le plus gros importateur de blé au monde. Population en croissance, 80 millions de bons hommes, production alimentaire insuffisante. J'ai oublié un autre truc avec le changement climatique que je vous ai montré tout à l'heure, l'assèchement du pourtour du bassin méditerranéen, qui directement contraint à la baisse la production agricole de ces pays. Donc, production agricole qui n'arrive pas à croître, importateur lourd, défaut de devise. Qu'est-ce qui se passe en 2010 et début 2011? Le prix de l'alimentation explose, puisque les céréales voient leur cours doubler, et à la suite, tout ce qui se bouffe voit son cours doubler, parce que toutes les commodités sont asservies. Donc la viande double, le lait double, l'huile double, le sucre double, tout double. L'Égyptien standard, et on va dire les 50% qui gagnent le moins, il a 1 dollar par jour de revenu net disponible. C'est-à-dire que si vous regardez ce qu'il gagne, moins les impôts, etc., 1 dollar par jour. La tonne de céréales coûte 200 dollars. Si vous regardez ce que représente le doublement de la tonne de céréales pour une personne qui mange 1 kilo de pain par jour, faites le calcul, c'est une simple règle de 3. Eh bien, vous arrivez à la conclusion que le budget alimentaire de cette personne double alors qu'elle occupait déjà à peu près la moitié de ce qu'il gagne, sinon plus. 1789. Les gens sont descendus dans la rue parce qu'ils n'avaient plus à bouffer. Et parce que le gouvernement, privé de devises, était incapable de subventionner les importations. Prenez l'Algérie qui a du gaz et du pétrole, pas d'émeute. Prenez le Maroc qui a une alimentation à peu près autosuffisante, pas d'émeute. Prenez la Syrie mal connectée au marché mondial à cause de son régime politique qui supportait très bien les Assad père et fils depuis 30 ans. La conjonction de la sécheresse croissante dans le pourtour du bassin méditerranéen et de la mauvaise connexion aux marchés mondiaux fait que la Syrie, par ailleurs, a aussi au même moment un problème de disponibilité alimentaire, et c'est la guerre civile, dont les conséquences sont en train d'arriver aux portes de l'Europe. Donc les conséquences du couple énergie-climat ne sont pas pour dans 352 ans, ce n'est pas pour le 1er janvier 2100, c'est tout de suite, là, maintenant. C'est déjà en train d'arriver. Voilà. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Il y en a quelques autres que vous trouverez dans un excellent livre disponible à la vente dans quelques mois. Je suis aussi capable de vous relier, par exemple, le vote populiste à l'énergie. Je suis aussi capable de vous, là je vous en ai parlé un petit peu, les problèmes financiers qu'il y a eu aux États-Unis à l'énergie. Enfin, tout ça a un déterminant énergétique fort. Donc, une partie des trucs qu'on croit liés à autre chose, en fait, il y a déjà le couple énergie-climat qui est à l'œuvre sur ce genre de autour de nous. Voilà, écoutez, le temps avancé. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le temps pour les questions. Donc nous allons remercier pour Jean-Marc Jovici pour cette conférence tout à fait passionnante. Et puis.